Voilà, surtout moi. Yo tout le monde, c'est Miss Lucie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 d'Aldaria. Je pense que j'ai assez de mana, étrangement. Hein. Flasque d'eau ensorcelée. Je n'avais jamais eu cet objet. Je pense que vous attendiez pas spécialement cet épisode parce que Aldaria, vous êtes pas. Enfin, c'est pas la série que vous suivez le plus sur ma chaîne. Hein. Après, je suis un peu en retard suite à mes débuts où j'avais un petit souci internet, même si j'avais commencé le jeu en même temps que tout le monde. Ce qui m'avait un peu dégoûté parce que du coup j'ai pris du retard et ça m'a vraiment énervé. J'ai même pas pu accumuler le mana, j'arrivais même pas à me connecter donc ça m'a vite saoulé. Je dois vous avouer que ça m'a saoulé et j'ai plus de boulet. Donc je fais ça vite fait pour histoire d'avoir du mana en plus, mais je pense que 2600 mana c'est faisable hein. En général c'est 2500. 2000-2500, donc on va juste faire quelques petits mini-jeux comme ça le temps que je parle un petit peu. Elle aura pas mis trop de temps, je trouve, cet épisode, il aura pas mis trop de temps à sortir, hein, après à voir si j'ai assez de points d'action. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de temps, d'habitude, Daria met extrêmement de temps à sortir, parce que je m'y connecte pas tout le temps, et donc je peux pas faire les quêtes, les mini-jeux, tout ça. Donc c'est un petit peu plus difficile pour Aldaria que pour AS, mais j'arrive quand même plus ou moins à sortir les épisodes. Mais bon, vu que c'est pas... Et merde, j'ai loupé. C'est pas la série qui vous intéresse le plus, même si quand l'épisode sort, vous êtes plutôt intéressé de retrouver cette petite série. Alors là, attendez, je vais me concentrer 5 minutes, 5 secondes. Voilà, il n'y a pas... Voilà, j'ai loupé. Non ! Non ! Ah, c'est fou ça, j'ai pas un toucher de souris assez rapide. Parce qu'en fait, là en plus il fait chaud, donc la souris colle un peu, c'est dégueulasse, oui je sais, mais c'est pas grave. La souris colle un peu, donc... Oh, je l'ai eu. C'est un truc assez moyen. Qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà? Ah bah oui, j'ai... Plutôt quelques... Bah là j'ai ouvert mon avant-dernier coffre avec le familier. Donc j'ai eu ça, une jupe Father Dream. Donc je suis en train d'essayer d'avoir l'objet légendaire. On va envoyer mon familier, tiens. On va l'envoyer là-bas. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas vraiment d'endroit particulier. Et donc j'ai eu quelques trucs en plus là récemment. J'ai eu cette ceinture que j'ai gagnée au classement. J'ai eu ce petit serpent là qui bouge, qui est très sympathique. J'ai eu cette petite flûte naturelle là, très sympathique. Après c'est surtout des trucs que je gagne au classement. Donc c'est pas une apparence très belle, hein. C'est pas très esthétique mon truc, mais c'est plus histoire de mettre tous les trucs qui sont là, ça aussi c'est ce que j'ai gagné au classement. Donc je les mets forcément. Et après, voilà, ma tenue... après, j'ai pas grand-chose pour m'équiper non plus. Vous voyez, j'ai pas de robe, j'ai rien du tout. Ah, attendez, parce que j'ai pas encore vu vraiment ce que ça donnait, le machin que j'ai gagné. Ah, c'est plutôt sympathique, en fait. Faudrait voir la partie haute et tout, mais ça m'a l'air plutôt sympa. Attendez, on va voir au marché. Je vais rien acheter, hein, mais j'aimerais bien voir... Alors, c'est quoi? C'est Feather... Feather Dream. Moi je veux la catégorie Feather Dream. Ah ouais, elle est plutôt sympa en plus. Ah ouais. Bah c'est plutôt sympa en fait. Ah, elle est plutôt belle franchement. Ah ouais, moi ça serait plus dans ce ton là du coup. Non, dans ce ton là. Moi ça serait plus ce ton là qui me plaît. Elle est plutôt très sympathique cette tenue, hein. Franchement j'aime bien. En plus avec ça, bon c'est super cher, hein, je vais rien acheter. Ah la noire aussi elle est sympa. C'est beau, hein. C'est normal si vous avez un petit bruit d'arrière-plan, enfin d'arrière, de fond, c'est mon ventilo parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Je sais pas combien il fait mais il fait vraiment très très chaud. Et c'est vraiment insurmontable. Donc voilà, on va peut-être commencer l'épisode, hein. J'ai un petit peu débordé sur le temps. Meria, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a disparu, comment ça a disparu?
Sa mère, elle est venue me voir. Elle était dans la forêt avec lui et Miko. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Commence déjà par te calmer. Ensuite, tu vas tout nous expliquer point par point. Point par point. Tu as un petit canard quand je fais ça. Miko s'est avancée vers Icare et a frotté la main contre son dos pour la calmer. Je n'avais encore jamais vu dans un état pareil. Pour ma part, je suis assez retournée par cette situation. Tout à l'heure, deux membres de la garde sont venus me chercher. Ils l'ont trouvée, elle hurlait le prénom de Mary dans la forêt. Quand je suis allée lui parler, j'ai appris qu'elle avait perdu son fils de vue durant quoi? 2 minutes? Et que depuis, elle ne le retrouvait plus. Ils ont effectué une première battue dans le périmètre de disparition, mais ils n'ont rien trouvé. Oh non! Il n'était pas avec son père? Le père de Mary est décédé. Ah oui, c'est vrai, on m'en avait déjà parlé. Alors, avec quelqu'un d'autre? J'imagine qu'ils ont tout vérifié avant de tout prévenir. Oui. Qu'en est-il de son familier? Comment ça? Il s'est peut-être perdu lui aussi et Mary est partie à sa recherche. Non, le Chrislam était à leur domicile quand ils ont fouillé la maison. Ah, mais non, où est Kero? Il est resté avec la mère de Mary et Ewelyn. Très bien, très bien, très bien. Bon, écoutez-moi tous, je vais avoir besoin de tout le monde. Ah, ça me semble un peu plus sérieux tout ça. On ne peut plus sérieux, pardon. Je ferais mieux d'écouter et de me taire. Valkyon, Nevra et Zarel, établissez ensemble des plans de battue. Nous devons impérativement trouver qui ou quoi a commis ces méfaits. Les garçons ont hoché la tête et sont partis sans rien ajouter. Je n'ai pas vu l'ombre d'un sourire sur le visage des Zarel. Icare, je veux que tu me prépares les discours que nous allons adresser à l'ensemble du G et également un traité d'alliance avec les milices des villages voisins. Jamon, rendons-nous sur le terrain. Il faut retrouver ce petit, ou au moins trouver quoi dire à sa mère. Miko, j'aimerais venir avec vous. J'ai besoin de plus d'informations. Si j'ai de mauvaises nouvelles à annoncer, je préfère les avoir vues de mes yeux. D'accord, tu n'as qu'à venir avec nous. Il faut qu'on trouve Leftan pour qu'il me remplace le temps qu'on étudie les lieux. Ils ont commencé à sortir. Miko et moi. Elle s'est retournée vers moi les yeux ronds. Quoi? Et toi? Eh ben, je veux vous aider. Comment penses-tu nous aider? Laisse-moi aller dans la forêt à ta place. Tu es la chef de la garde. Tu as autre chose à faire. Et puis... Je me sens vraiment inutile. Ok, c'est bon. Tu peux cesser une seconde de penser à toi. Miko, s'il te plaît. Laisse-la venir avec nous. Plus on est nombreux, mieux c'est. Ça ne sert à rien de mettre 40 personnes sur la même affaire. On est déjà assez de 3. Icare et moi avons fait les yeux de petits chatons à Miko. Bon, c'est d'accord. Super, merci. Si vous ne le retrouvez pas, ou plutôt, si vous le retrouvez, ne dites rien à sa mère avant de m'en avoir informé. Comment ça, si vous le retrouvez? L'air qu'elle a eu ne me dit rien de bon. Je vais rapidement dans ma chambre, j'ai des choses à prendre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Jamon, prendre arme. D'accord, on n'a qu'à se rejoindre devant les portes du QG. En fait, le fait de ne pas mettre mon casque sur ma tête, je crois que ça fait un audio de merde. Donc on va le mettre comme ça quelques minutes, on va enlever mes petites lunettes, parce que ça va me faire mal du coup. Et tant pis, voilà. Mais bon, sinon j'ai peur que ça l'audio soit tellement pourri. On verra bien, mais avec le ventilo qui fonctionne, c'est vraiment la misère l'été pour les youtubeurs. Ok, enfin quand ils ont pas de micro sur pied. J'aime bien les micro-casques, mais ça c'est limite quand même. Alors, on va devant les portes du QG. J'aime bien Eldaria, c'est vraiment cool. C'est pas un truc cucu la praline, tu vois. C'est plutôt pas mal. Jamon et Icare sont déjà là. Tiens, la porte est fermée. Oui, le QG est temporairement fermé pour éviter d'autres disparitions. Je comprends, mais comment ceux qui sont déjà dehors vont-ils pouvoir rentrer? On les laissera rentrer, voyons. Et comment reconnaîtrez-vous les membres? Nous n'avons aucun signe de distinction. Les gardes ont pour ordre de contrôler les identités. Je leur ai fait des listes. Ça n'empêchera pas le coupable de mentir sur son identité. On a une sorte de trombinoscope. Oui, mais...
Vas-tu cesser tes questions? Je m'interroge, c'est tout. Ne t'en fais pas pour la sécurité. Ne t'en fais pas, pardon. La sécurité est montée à son niveau maximum. Jamon veillez que garde tout bien savoir. Si garde échoué, jamon punir. Merci, maître Yoda. Il a sorti un rire très effrayant tout en ayant un air très fier de lui, genre un peu j'aime suprême. Moi, oh. J'ai peur. Ne dis pas ça, il va le prendre comme un compliment. Bon, on est parti, Jamon, tu passes devant. Jamon a fait un signe de tête et les gardes ont ouvert la porte. Tu sais, se faire respecter. Nous nous sommes rapidement retrouvés dehors, c'est parti. J'ai la boule au ventre, je sens que cette histoire va mal finir. Mary? Mary? Bon sang, mais quelle idée aussi de s'enfoncer aussi loin dans la forêt? Elle ne m'a pas l'air très dangereuse. Par les temps qui courent, avec toutes les nouvelles que nous avons eues des autres villages, c'est stupide. Elle n'était peut-être pas au courant. Kerochan et Icar avoir fait passer la nouvelle, tout le monde savoir. Ah bon, moi je l'ai appris par hasard en mangeant avec eux. C'est normal, tu étais en train de dormir quand nous avons fait circuler l'annonce dans le QG et au sein du refuge. Ok, je comprends. Enfin, peut-être qu'elle se sentait plus en sécurité que ne l'annoncer vos nouvelles. Je pense aussi, et à cause d'elle, son fils est perdu en forêt. J'espère qu'il va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Icar pleurait. Non? Oh non, c'est trop mignon! Mon sang, elle est vraiment trop sensible. Il ne va pas se faire tuer quand même, il est perdu, juste perdu, et nous sommes là pour le retrouver. Si tu le dis, elle ne paraît pas vraiment très convaincue. Pourquoi es-tu si négative? Si je suis dans cette garde depuis. Je suis dans cette garde depuis bien plus longtemps que toi, et nous avons déjà perdu plusieurs membres. À chaque fois, on se disait, ils vont revenir, et ils ne revenaient pas. C'est vrai que je ne suis pas là depuis longtemps, elle a peut-être raison. Je commence à me demander si Mary n'est pas en réel danger. Ici, quoi? Branche cassée, tu penses que c'est Mary? Jamon, pas pouvoir dire, peut-être indice, peut-être être bête. Icar a raison. Lucie et Icar être trop pessimistes. Nous retrouver Mary, c'est vrai, il a raison, je dois me ressaisir. Lucie, Mary! Le petit a couru en pleurs dans mes bras. Il tremble énormément, il a dû avoir une de ses frayeurs. Mary! Mirage et rou... Mi... Mirage. N'importe quoi, Icar est rouge de colère. Pourquoi t'es-tu éloigné de ta mère? Putain, j'arrive pas à dire une phrase. Tu pourrais le sermonner plus doucement. Je. Désolée, mais cette tête, elle m'a tellement fait penser à une tête que j'ai dessinée pour Azegashi dans le manga. Dans mon manga, et c'est tellement ça que je suis désespérée. Désolée, Mary, mais tu m'as vraiment fait peur. Je voulais juste cueillir des fleurs pour toi, parce que tu joues souvent avec moi, et je. Mary se remet un peu. Oui, et bien cueille-les dans les jardins la prochaine fois. Elle lui a tapé sur la tête d'un air boudeur. On dirait des frères et sœurs, c'est mignon. Icar! Mary! Oui? Pendant que je cueillais des fleurs, j'ai vu un monsieur dans les bois. Il a grogné très fort et j'ai eu très peur. Ne pleure plus, on est là, d'accord? Mary. J'ai moins soulevé le petit et l'a posé sur ses épaules. Rentrez maintenant, Mary. Être plus sage dorénavant. D'accord. Mary, plus pleurer. Icar, être gentil, sinon jamais fâcher les deux. Ça veut vraiment rien dire. Promis! Nous repartîmes en direction du quartier général dans une ambiance plus bon enfant. Malgré les réactions excessives d'Icar en retrouvant Mary, celle-ci se montra définitivement plus douce sur le chemin du retour. Je pense que la disparition du petit, suite aux événements récents, a dû en mettre plus d'un à cran. En tout cas, cette histoire semble l'avoir épuisé. Il s'est endormi dans les bras de Jamon.
Il faut rentrer à la maison. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Arrivé devant les portes du quartier général, un homme s'adressa à nous et nous demanda de décliner nos identités. En voyant Jamon depuis le haut de sa tour, son expression changea subitement. Monsieur Jamon, je suis désolé, je vous ouvre. C'est vrai que Jamon, il n'y a vraiment pas besoin de lui demander son identité. Après avoir balbutié de maintes excuses, le jeune homme qui ne devait pas être plus âgé que moi repartit. Pour ma part, je fus surprise des moyens déployés par la garde pour assurer la sécurité de l'enceinte. Depuis que j'étais arrivée, j'avais fait face à un certain laxisme. Je réalisais maintenant que j'avais énormément de préjugés sur le manque de sérieux. Sous leurs apparentes désinvoltures, ils possédaient, quand ils le souhaitaient, toutes les qualités d'un poste de défense. Lucie, fermez bouche, hein? Toi ressemblais à poisson. Ah, désolé, j'étais en train de réfléchir. Ah, et à quoi? Rien de spécial. Il vaut mieux que je garde mes pensées pour moi, cela risquerait de les vexer. Nous devoir aller voir Miko. Oui. Mais que fait-on du petit? Ne pourrait-on pas le ramener à sa mère avant? C'est vrai, ça pourrait être bien. Non, aller voir Miko. Sa mère d'abord, ça nous prendra que 2 minutes. Sa mère, Miko. Allez voir Miko. On va aller voir Miko, hein. Je suis de l'avis de Jamon. Hé hé. Le petit hé hé de Jamon, c'était assez drôle. Non, je pense vaut mieux l'amener auprès de Miko, sinon elle va nous péter un scandale encore là. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Miko! Come on! Ah, vous êtes déjà de retour. Le petit s'est réveillé et a regardé Miko tout en frottant les yeux. Elle est où ma maman? Elle est à l'infirmerie. Icar, tu peux l'y emmener et prévenir Kero au passage? Ok, ils sont tous les deux partis. Merci, deux. L'avoir retrouvée, je n'ose pas imaginer la panique, pardon. La patique. Je sais vraiment plus parler. Que cela aurait été s'il avait disparu définitivement? Oui. Enfin, Kero va pouvoir faire passer la bonne nouvelle auprès des membres et des réfugiés. Pfiou! Elle s'est appuyée contre l'une des rambardes et a soufflé avec beaucoup de soulagement. Tu as l'air épuisée. Un peu. J'avoue ne pas avoir eu le temps de souffler depuis quelques jours, j'imagine. Tu vas pouvoir te reposer un peu. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas te déranger plus longtemps alors. Merci à toi aussi. Je commençais à me diriger vers la porte. Lucie, attends, oui? Tu n'oublieras pas de venir à la grande réunion de demain matin. La réunion? Oui, celle qui concerne la disparition. Mais je croyais que cette mission ne t'intéressait-elle pas? Bah je. Oh mon sang. Je vais me taire et sortir avant qu'elle ne change d'avis. D'accord, je viendrai demain. Oh yes! Tu es là? Oui, pourquoi? Je te cherchais, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, tu sais, avec Mary. Je sais que j'étais plutôt dure, mais j'apprécie beaucoup ce petit. J'ai cru le comprendre, c'est ton petit frère? Ah non, mais c'est tout comme. Tu n'as pas de frère et sœur? Du tout. Ma mère a déjà eu du mal à m'élever toute seule, alors j'imagine même pas ce que si j'avais eu un frère ou une sœur toute seule. Oui. Tu n'as pas d'autres membres de ta famille? Si, si, comme tout le monde, mais avec le travail, je n'ai pas vraiment beaucoup eu de temps à leur accorder. Donc tu en as, tu le consacres à ta mère? J'essaie. Du coup, tu dois être très proche de ta mère. Oui, de loin. Comment ça? Nous n'arrivons pas à nous parler plus de 5 minutes sans nous engueuler. Ah, je vois. Heureusement que je ne la vois pas souvent. Elle ne vit pas ici? Non, désolée. Ne t'en fais pas. Bien, bien, bien. Passe du temps. Dans le QG, tu n'as que ça à faire de toute façon. On va aller dans notre chambre. On peut pas aller dans notre chambre. Ça, elle est sympa, notre chambre. Moi, bon, je trouve ça cool. Bon, ok, on n'a pas besoin d'aller dans notre chambre. S'il vous plaît, arrêtez. Gardez votre calme, je répondrai à chaque question. Il y a du monde ici. Ils se sont tous rassemblés autour de Kero. Comment va le petit? Qui l'a enlevé? Était-il blessé? On n'est pas en sécurité ici. Pourquoi avoir fermé le QG? Incapable! Qu'est-ce qu'il se passe? Les propos sont tellement rudes. Il n'a pas été enlevé, il va bien, aucune blessure. Et comment avez-vous pu laisser faire ça? Je me suis avancée en direction des marches où s'était mis Kero.
Nous n'avons rien laissé faire. Valkyon? Le domaine a été mis sous couvre-feu sous l'ordre des chefs de garde, Nevra, Zarel et moi-même. Nous avons simplement suivi le protocole d'alerte en cas de disparition. Nous n'ouvrons pas les portes tant que cette affaire ne sera pas résolue. Et il vous sera également demandé de respecter le couvre-feu. Ah oui, quand même, j'étais pas au courant. Toute personne trouvée à l'extérieur de ces habitats, en dehors des heures autorisées, recevra une sanction. En attendant, vous êtes prié de respecter Kiroshan et de l'écouter attentivement. Il s'est posé à côté de lui et a croisé les bras, l'air intransigeant. Je suis totalement impressionnée par le charisme qu'il dégage. Et nous, on voulait aller le soutenir. On voulait aller le soutenir, on aurait dit quoi? Alors, il n'a pas été enlevé. Voilà. Point. Eh bien, comme je vous l'expliquais, à partir d'aujourd'hui et pour une période indéterminée, les portes de la garde d'elle seront fermées. Cela n'est pas pour vous brider et vous enfermer, mais pour assurer votre sécurité. Des contrôles d'identité seront effectués également. Si vous avez quelque chose à déclarer, mon bureau est ouvert. Il ne rigole pas, hein? Oh, Chrome, je t'avais pas vu. Tu es toujours fâché contre moi? Je sais pas, je suis pas encore décidée. Ok. Je suis assez choquée de la tournure des événements. Ouais, déjà vu. Vu et revu. Demain matin, plusieurs membres des différentes gardes seront conviés afin d'assister à une réunion. Celle-ci a pour but d'organiser une battue pour couvrir la forêt. Cette battue sera organisée de connivence avec les enfants... avec les villages avoisinant la forêt. Trop d'enfants dans cet épisode. Nous sommes actuellement en étroit contact avec eux. Je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Le murmure de la foule ont progressivement cessé et celle-ci a commencé à se disperser. Je me suis avancée vers Kiro, le pauvre, il a l'air épuisé. Ça va? Pas trop, je comprends, c'était très courageux de ta part de faire face à toutes ces personnes. Bah, je sais, je l'aurais pas fait sans l'aide de Valkyon. Enfin, si vous me le permettez, je vais à la bibliothèque, j'ai encore des tonnes de travail à faire. Tu as besoin d'aide? Non, merci, ça ira. Icar et d'autres personnes plus qualifiées vont m'aider. Oh, je ne voulais pas dire que tu n'étais pas qualifiée. Ah, rassure-toi, je ne le prends pas mal, ce n'est pas dans mes attributions à la base de toute façon. Ouf, je suis heureux que tu ne sois pas offusqué, les gens ont tendance à tout prendre mal en ce moment. J'ai remarqué que vous étiez assez susceptible, oui. Comme tout un chacun, ceci dit. Quand l'attention est importante, la moindre remarque mal interprétée prend des proportions inconsidérées. C'est exact. Allez, à plus tard. Bon courage. Je me sens fatiguée. D'un coup, je ferais mieux d'aller me reposer. Du coup, on va dans sa chambre. Ah, c'était presque ça. J'avais dit qu'on allait devoir aller dans notre chambre. La chambre. Je suis arrivée dans ma chambre. Après une journée si éreintante, je m'affalais comme un sac sur mon lit et restais avachi pendant une bonne demi-heure. Mon Dieu, moi je serais restée 3 heures dedans, quoi. Mis à part un peu de cuisine et la recherche du mairie, je n'avais pas fait grand-chose de ma journée, mais cette dernière mission m'avait épuisée. Je repensais alors à tout ce qui s'était passé aujourd'hui, la mise en place du couvre-feu et la fermeture des portes du quartier général. Cette pensée me glaça le sang et me rappela farouchement que je n'étais pas dans mon monde et que je n'avais aucune connaissance de l'histoire de cette garde d'elle qui m'avait accueilli. Peut-être étais-je sans le savoir tombé dans le clan des méchants? Hein? Et pourquoi? Sur ces réflexions, je m'endormis sans même me déshabiller. On était très contents de savoir cette dernière info qu'on était encore habillés. Déjà le matin, j'espère que je ne serai pas en retard pour la réunion que Miko... D'ailleurs... Où a-t-elle lieu? Ah, misère, misère, trouve lieu de la réunion. Je crois que c'est dans la cantine, hein. Il a pas dit la cantine, Kero. Pour moi, c'est dans la... Bon sang, je crois que la réunion ne va pas tarder, je sais même pas où elle se déroule. Être en retard à la première réunion officielle à laquelle je suis conviée, c'est pas vraiment sérieux. Ah, ça m'énerve. Lucie, ah, Kero, te voilà. Tu vas pouvoir m'aiguiller, toi. Ah, pourquoi ça? Miko m'a conviée à la réunion d'aujourd'hui. Oui. J'ai comme qui dirait, j'ai oublié de lui demander où est-ce que la réunion avait lieu. Ne te moque pas, j'étais tellement contente. Ne te moque pas, j'étais tellement contente qu'on me laisse participer à la vie de la communauté que j'en ai oublié de demander des détails. Ça se comprend, bon, je suis plutôt un garçon sympa et cool, je vais te le dire. Ça se passe à la cantine. Ah bon? Cela risque d'être long et beaucoup de nos salles sont en réparation. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Si ça se passe dans la cantine, ça se passe là-bas. Hein.
Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu poses beaucoup plus de questions d'habitude. C'est pas très sympa de te moquer de moi. Hey, tu m'accompagnes là-bas du coup? J'ai encore quelques documents à préparer et je risque d'être en retard, donc vas-y, ne m'attends pas. Ok. Lead the way. En arrivant dans la salle, je compris immédiatement pourquoi cette réunion se tenait dans la cantine. Elle était remplie de monde. J'eus du mal à me trouver une place et m'assis près de la sortie, là où je trouvais un peu d'espace. Au loin, j'aperçus Miko. Elle se tenait droite aux côtés de Valkyon, Evra et Zarel, qui, pour une fois, n'affichaient aucun sourire en coin. Kiro était déjà là. On aurait pu y aller ensemble, finalement. S'il vous plaît, taisez-vous. Nous allons commencer. J'ai dit silence. J'avais du mal à comprendre ce que dit Miko à cause du brouhaha environnant. Nous allons commencer par. J'éprouve toujours des difficultés à l'entendre, mais vu la tête qu'elle tire, je ne lui donne pas 2 minutes pour. Vous allez vous taire! Ah, mais elle est tellement magnifique. C'est tellement magnifique comme graphisme. Franchement, j'adore. La salle complète s'est tue comme des élèves qui venaient de se faire sermonner par un professeur, un chouïa trop autoritaire. Au moins, la moue faussement sérieuse des Arels s'est tordue en un rictus de rire. Mon Dieu, j'ai jamais entendu cette expression. Nevra non plus ne peut s'empêcher de sourire. Valkyon, quant à lui, c'est toujours le même. Tiens, Valkyon, si on me dire bonjour de loin. Je lui ai fait un signe à mon tour. Donc, mon Dieu, elle a toujours l'air très énervée. Tout d'abord, merci d'être venu. Tout d'abord, merci d'être tous venus et à l'heure. Désolée, je suis en retard. Comme d'habitude à la GA. Si nous vous avons réunis ici ce matin, c'est suite aux récents événements qui ont touché la région. Également pour faire taire les mauvaises langues, je tiens à rappeler que la disparition de Mary n'a rien à voir avec cette affaire. Le petit s'est simplement perdu et nous l'avons retrouvé hier soir. Il est actuellement entre les bras de sa mère. La réunion se tiendra en 3 points. Explication de la mission, attribution des binômes et, comme d'habitude, question des éclaircissements. Question et éclaircissements. Waouh, ça a vraiment l'air sérieux. C'est la première fois que j'assiste à ce type de réunion, je suis un peu stressée. Tu devrais te détendre. J'essaie, j'essaie. Elle m'a pincé la joue et m'a tiré pour que je me déride un peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Merci. Y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas être aux côtés de Miko et tout? Non, je dois attendre ici jusqu'à la fin de l'heure. Ah, d'accord. Elle tient tout un paquet de feuilles dans ses mains. Je suppose qu'elle va les donner à tout le monde une fois la réunion terminée. Silence au fond de la salle. Oups. On s'est regardé avant de glousser faiblement. Eh bien, comme vous le savez, l'enceinte de notre quartier général a été soumise à des normes de sécurité assez restrictives. Couvre-feu, fermeture des portes, contrôle d'identité. Cela fait un petit moment que nous avons entendu parler de diverses disparitions dans la région et ses alentours. Le cumul des preuves et informations obtenues jusqu'ici nous amène à penser qu'un être ou une créature néfaste sévit dans la forêt avoisinante. C'est pourquoi il a été décidé d'effectuer une battue de la forêt. Une battue? Chaque personne ici présente est requise pour effectuer la battue. Il ne s'agit pas là d'une offensive. Si vous voyez ou entendez quelque chose de suspect, vous devez effectuer un repli stratégique. Le but de cette manœuvre est d'effectuer un quadrillage de la forêt et des zones potentielles de risque. Cette opération est organisée de connivence avec les autres villages. La forêt est grande et nous aurons besoin de toute l'aide possible. À la fin de cette réunion, Icar vous donnera un petit dossier. Nous vous demanderons de l'étudier avant de commencer votre mission. Celle-ci débutera à 15 h précises. Oula, ça me laissera pas beaucoup de temps pour tout bien lire. Bien, maintenant, passons à l'attribution des binômes. Lua et Dorian, Milia et Jovic. Et ça serait vraiment bien qu'après on les voie, ces gens-là. Miko continua d'énumérer les binômes. Je remarquai alors qu'il ne me prenait pas vraiment en compte les gardes, car à la GA s'est retrouvée avec un membre de la garde obsidienne. Je voyais tous les binômes s'assembler en attendant que l'on m'attribue le mien. Le binôme Nevra était autre que Chrome. Sa suspension a dû être révisée. Je me demande avec qui je vais être en binôme. Valkyon et Lucie. Oh, je vais partir en mission avec lui. Ah, merci, merci.
Après de très longues minutes, tout le monde eut quelqu'un avec qui faire sa mission. Moi, j'évitais précieusement. J'arrive pas à lire ce mot, le regard de Valkyon. J'étais tiraillée entre le sentiment d'être contente de faire ça avec lui et la peur qu'il me trouve incompétente. Oh, mais non! Maintenant que tout est fini, y a-t-il des questions? Un silence pesant est tombé sur la salle. J'ai entendu quelques murmures au sujet de changement de partenaire, mais c'est tout. J'ai levé la main timidement. Toi là-bas. Que doit-on faire si on tombe sur cette créature? Battre en retraite. Nous isolerons la zone et effectuerons une contre-attaque dans les heures qui suivent. Aurons-nous un signe distinctif que nous devrons porter pour nous faire reconnaître entre participants? Oui, un brassard vous sera fourni par Icar en même temps que le dossier à étudier. Et nos alliés en porteront aussi. Oui. Quel est le but réel? Non, mais je voulais pas la poser celle-là. Quadriller le périmètre et nous prévenir de choses suspectes. Je tiens à noter que toutes ces informations sont disponibles dans le dossier qu'Icar vous transmettra. Merci. Tous les regards sont tournés vers moi, j'ai l'impression de passer pour une idiote. Le silence est de nouveau tombé. Pas d'autres questions, si tout est bon, vous pouvez sortir et récupérer votre paquetage. La foule a commencé à se masser vers la sortie. Dans le calme, Icar m'a donné le mien et m'a sommé de fuir le plus vite possible avant d'être étouffé. Je ferais mieux d'aller voir Valkyr quand il y aura un peu moins de monde. Comme c'est ma première grosse mission, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai patiemment attendu dans le hall que tout le monde sorte avant de retourner à la cantine pour aller le voir. Et alors comme ça, on est partenaire. Il faut croire que tu voulais plus d'informations sur le pourquoi du comment de cette mission? Oui, ça se voit quand, tant que ça. Comme le nez au milieu de la figure. Que veux-tu savoir? Eh bien, comment s'organise-t-on pour y aller? Est-ce qu'on reste ensemble jusqu'à 15 h? J'aurais bien passé un peu plus de temps avec toi, mais je dois finir quelques trucs. Je viendrai te chercher dans ta chambre quand je serai passé. Ça te va? Pas de souci, je vais lire ce rapport en attendant. Je commençais à quitter la salle lorsqu'une grosse patte se posa sur mon épaule. Lucie, toi, devoir faire entraînement. C'est-à-dire? Toi, pas pouvoir aller forer si toi, pas pouvoir défendre partenaire. Toi, maîtriser un mot combat. Non, pas vrai. Ah non! Ça va être les QTE, je crois. Ah merde! Pas quand il fait chaud, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu la nécessité de devoir me battre dans ma vie. Et si, on est des ninjas. Alors, toi, venir avec Jamon allant dans les jardins. Mais je lui ai dit, je le lis quand, mon rapport? Mais non, mais. Pas besoin d'entraînement! Allons dans les jardins. Jardin là? Celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là alors. Toi prête? Hein, mais qu'est-ce que je dois faire? Jamon me mit en garde et commença par me mettre un petit coup de poing dans les côtes. Surprise, j'esquivais en gardant les yeux ronds. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait? Ah non! Tu vas maintenant découvrir une nouvelle fonctionnalité, les QTE Quick Time Event. Durant cet épisode, tu seras parfois confronté à des moments où tu devras effectuer des actions sur ton écran. Selon le résultat obtenu lors de tes QTE, le scénario de ton histoire pourrait être différent. Oh non, j'ai pas du tout envie de louper ça. Voilà. À l'heure actuelle, il existe deux types d'actions. Le clic simple, il s'agit de cliquer sur les cône suivante. Attention, un clic à côté, c'est raté. La forme relie les points qui apparaissent à l'écran. Attention, si tu coupes un point, tu devras recommencer ta forme depuis le début. Ok. Ah, en fait, c'est trop rapide. Ah, j'ai mis ma souris trop rapide. On n'est vraiment pas doué. Hein. Suite. Non mais j'ai mis ma souris en mode trop rapide alors. Ah là, ça devrait aller. Bravo Lucie, être douée. Si je m'attendais à ce que tu m'attaques comme ça, Jamon pas attaqué, Jamon entraîné. Tu aurais pu m'expliquer ton premier coup de poing, ma prise de court. Ah, tant mieux. Nous nous entraînâmes pendant un moment et j'appris à maîtriser les bases du combat. Au corps à corps, Jamon me félicita de nombreuses fois, me trouvant agile et rapide. J'avais plutôt l'impression d'être une empotée, mais quelques compliments ne faisaient pas de mal.
Nous, passer un nouvel exercice. Ah bon, lequel? Toi, venir. Je suivis Jamou à travers le QG et celui-ci me conduisit à la forge. Dans une pièce adjacente se trouvaient plusieurs armes. L'ogre en attrapa trois avant de revenir vers moi. Gardait, elle possédait trois types d'armes. Armes traits, armes lourdes, armes blanches. J'imagine que je dois choisir, alors j'aurai une préférence pour les armes. Non, toi essayer chaque arme. Toi, moi montrer à toi, puis observer. Jamon donner type d'armes plus adaptées à toi. Ça, c'est pas con, ça. Jamon me montra quelques coups assez basiques avec chacune des armes. D'accord. Ah là 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 là! Maintenant, toi, il pointe du doigt les armes. Je crois qu'il m'incite à choisir par laquelle commencer. Alors, on fait arc, on fait épée ou le marteau? Alors, on va essayer déjà le marteau. Comme ça m'entraîne un peu, tu vois. Attends, je suis pas assez rapide. Ah! Suite. On va essayer l'arc. On va essayer l'épée en dernier pour vraiment bien s'entraîner, tu vois. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir l'épée. Parce que l'épée, bah, c'est la vie, tu vois. Allez, l'épée. Mon Dieu. Ah! Je suis en stress là, du coup. Je suis en stress, pas possible. Je peux pas savoir à quel point. Ah! Aïe, 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 aïe. Jamon m'a tendu un arc. Rends-toi dans ta garde-robe pour le porter. Nous retournâmes, Alex. Mais comment veux-tu te battre avec un arc? Je veux une putain d'épée! Il y aura moyen de changer ou pas après? Genre avec de l'entraînement. Et nous entraînâmes pendant un petit moment. Putain, non, mais l'arc, c'est vraiment quand t'es nul, quoi. Après avoir appris à maîtriser un peu plus mon arme, Jamon me demanda de recommencer à m'entraîner au coup. Point, bien, maintenant, jambes. T'es sûr? J'ai un mon costaud 3 fois après moi. Tu es sûr? Oui, j'aimerais être prêt. Bon, ok. J'ai commencé à lui donner des coups de pied dans les cuisses. Il ne semble pas vraiment convaincu de mes compétences. Pas comme ça, regarde. Jamon me positionna de façon à ce que je réceptionne son coup. Puis il se mit en face de moi et simula un coup de pied pour me montrer le geste. Toi voir, moi pas faire mal, ok? Ok. J'appréhendais ce coup, ne connaissant pas encore la force monstrueuse de Jamon. Il leva la jambe d'un mouvement vif et s'assit me percutant ma cuisse. Boum. Oh, bordel! Le coup fut plus violent que prévu. Je sautillai sur place pour faire passer ma douleur. Sur le coup, j'ai l'impression qu'il avait broyé l'intégralité de ma cuisse. Ah bah c'est pas avec un arc que tu vas te défendre comme ça. Aïe 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 aïe. Oh damn, ça fait mal. Je me mordais les lèvres pour éviter de lâcher des insultes. Lucie? Ça va, ça va, ça va. Moi, pas vouloir faire mal. Je sais. Tu peux m'aider à me relever? D'accord, il m'a tendu sa main que j'ai saisie. Aïe. Nous devons aller à l'infirmerie. Ah là 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 là. Au moment où j'allais monter les escaliers qui nous menaient dans l'enceinte du QG, Jamon me souleva et me porta jusqu'à l'infirmerie. Ouh, ce n'est pas joli ça, je suppose que cela est douloureux. Non, pas du tout, ça va, j'ai connu pire. Je vois, mais rassure-toi, elle va disparaître en un rien de temps avec le baume que je vais t'appliquer. Elle s'est penchée vers moi et a chuchoté. Ne jamais s'entraîner au coup de pied avec Jamon, leçon numéro 1 de survie. Désolée, non, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un coup. Vu l'air qu'il aborde, j'imagine qu'il ne l'a pas fait exprès de me frapper ainsi. Moi, avoir donné petit coup pourtant. Eh bien, je t'assure qu'il était assez fort. Toi, allez bien? Oui, ne t'en fais pas, tu n'es pas obligé de rester, tu sais. Il a commencé à partir, l'air triste. Hé, hey, Jamon, je ne t'en veux pas. Jamon conscient, Lucie, pas fâché.
Pauvre Jamon, il n'arrive toujours pas à mesurer sa force. Je vois ça. Ce n'est rien, tu sais, et puis il n'est pas méchant. Oui, c'est sûr. Mais bon, j'ai toujours en stock des bombes dans mon inventaire pour prévenir ce genre d'événement. Ça arrive souvent. Pas depuis qu'il a blessé Kero. Ah bon, il l'a blessé? Oui, ils sont d'ailleurs en froid depuis. Ah, ils n'ont pourtant pas l'air en mauvais termes. Les as-tu déjà vus se parler? Maintenant que tu le dis, non, pas vraiment. Voilà. C'est dommage, ils sont tous les deux gentils. C'est leurs histoires, c'est vrai. Quand Eowyn eut fini d'appliquer le baume, elle me conseilla de me reposer à l'infirmerie le temps de que le produit agisse. Heureusement pour moi, elle m'avait assuré que je ne ressentirai plus aucune douleur d'ici l'heure de ma mission, ou presque aucune en tout cas. Non mais j'ai pas envie de faire de l'arc. Mais est-ce que du coup j'aurais dû louper l'arc? Aïe. Est-ce que du coup j'aurais dû louper l'arc et le truc en fait? Peut-être, je ne sais pas. Oh, pourtant je pensais pas avoir un. Lucie, réveille-toi, un qui parle. C'est l'heure d'y aller. Oh Valkyon, il est quelle heure? L'heure de partir, je suis venue à ta chambre, mais tu n'y étais pas. Jamon est venu pour me dire. Est venu me dire pour ta jambe, ça ira. Je ne ressens plus aucune douleur, une petite gêne, mais c'est tout. Tu vois, je t'avais dit que ça irait. Bravo, et Willine, tu es formidable. Merci. Oh, c'est touchant. Bien, partons. J'ai suivi Valkyon à l'extérieur du QG. Il me questionna beaucoup sur ma douleur. Je trouvais ça adorable de sa part de se soucier autant de moi et de mon état de santé. Rassure-toi, ça ira. Je ne ressens presque plus rien maintenant. Tant mieux. Tu n'as pas de brassard, toi? Pas besoin. Et puis, tu as le tien, toi. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pas eu le temps d'étudier le dossier. Je comptais le faire à l'infirmerie. Je me suis endormie. C'est pas grave, on va juste patrouiller dans la forêt, voir si on trouve des indices intéressants ou si on tombe sur cette chose. Qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive? On bat en retraite, comme l'a indiqué Leftan. On risque pas de la perte de vue? Si nous sommes discrets, je pense que la créature ne nous verra pas et nous aurons le temps d'isoler la zone pour revenir le plus vite possible. C'est stupide, autant l'attaquer de suite. Ce serait l'idéal, mais tout le monde n'est pas disposé à se battre ou n'en a pas la force. Comment ça? Est-ce que toi, tu aurais la force mentale et physique de tuer ton ennemi? Je ne sais pas, je n'ai jamais tué avant. J'espère pour toi que tu tueras le plus tard possible. Je verrai bien le moment venu. Oui, tu ne peux pas vraiment savoir avant d'y être. Malheureusement, non. Je t'avouerai que j'aimerais ne jamais tuer, mais si ma vie est en jeu, je ne peux rien promettre. Je comprends. Manière de survie, Valkyrie, manière de survie. Je sais pas où on doit aller. Ne serait-ce pas la meilleure partenaire de mission de tous les temps? Mon cher Ezarel, c'est toujours un plaisir de te voir. Le plaisir est pour moi. Je te souhaite bien du courage, mon ami. Ezarel, retourne voir ton partenaire dessus au lieu de venir embêter la mienne. Trop de sérieux? Tue le sérieux! Il est vraiment con. Crac, qu'est-ce que c'est? De quoi? J'ai cru entendre un bruit, pas toi? Non. Encore un bruit! Tu n'as toujours rien entendu? Il a hoché la tête de gauche à droite pour me signifier que non. Mon Dieu! C'était auprès de Valkyon. J'ai vraiment entendu quelque chose. Ne pourrait-on pas vérifier? Ça ne coûte rien! Nous allons perdre notre temps. Imagine que nous passons à côté d'une information cruciale. Je suis sûre que ce n'est rien. Croisant mon expérience. Valkyon, j'ai fait des yeux de chapeauté au cas où. Bon, d'accord. Nous sommes allés vérifier, mais il n'y avait rien à voir. Des branches cassées. Infamie, sans doute. Dommage. Merci quand même. De rien. Putain, on passe pour une idiote là. Bon, nous avons fait le tour de la forêt. Je crois qu'il n'y a plus rien à voir, tu penses? Nous n'avons rien vu de très suspect. C'est vrai. Que fait-on alors? Rentrer, je crains que ça ne serve à rien de perdre plus de temps ici. On ne peut pas explorer d'autres lieux? Évitons d'empiéter dans les zones de chacun. Mais du coup, ce n'est pas vraiment une battue que nous faisons. Je pensais qu'on allait chercher une créature ou personne susceptible d'être responsable des enlèvements et qu'on l'encerclerait tous ensemble. Mais s'il n'y a pas de créature, il n'y a rien à encercler. Ah, c'est pour ça que vous parliez aussi de quadrillage. Exactement. Je vois que tu mets beaucoup de réflexion dans tout ce que tu fais. Merci. C'est rare que tu fasses des compliments. En même temps, il faut les mériter. Oh, je n'ai quand même pas fait que des bêtises. C'est vrai que tenter de te noyer n'était pas bête. Eh, c'est pas gentil ça, je l'ai pas fait exprès. Haha.
Je commence à me demander si t'es pas pire que ça. Attends, j'avoue là. Tout le monde a un mentor. J'ai du mal à imaginer Valkyrie former Ezreal à la moquerie. C'est tout bonnement impensable. J'ai beaucoup d'humour. Oh, je n'en doute pas, mais Ezreal a un très haut niveau quand même. L'élève dépasse parfois le maître. Lol. Bon, sinon, rentrons au QG. D'accord. Nous avons franchi les portes sans difficulté. Genre, l'élève dépasse le maître. Non, c'est drôle ça. C'est drôle. Arrivé dans l'enceinte centrale du QG, Valkyrie me proposa d'établir le mini-rapport regroupant nos informations sur cette escapade. C'est-à-dire, aucune. Nous nous rendîmes alors à la cantine pour être à l'aise et nous eûmes fini en moins de 10 minutes. Il décida alors de ra me raccompagner jusqu'à ma chambre. Bon, eh bien, c'était sympa. Hein. Je ne trouve pas qu'aller dans les bois faire du quadrillage soit l'activité la plus palpitante qui soit. Non, mais j'ai pu passer un peu de temps avec toi. Point d'interrogation. Trois petits points. Trois petits points. J'allais dire point d'interrogation, mais non, c'est pas du tout ça. Un silence pesant est tombé, je ne sais plus trop quoi dire. Eh bien, je vais y aller. Ok. Ça va pas. Oh, si, c'est rien. Si tu le dis. Valkyrie partit et je restai un petit moment dans ma chambre avant de me retourner, m'entraîner à la maîtrise de mon arme. Durant plusieurs heures, je suais sang et eau, le sang en moi. J'avais l'impression d'avoir une meilleure maîtrise à mesure que je m'entraînais. Un sentiment de satisfaction m'envahit lorsque Jamon me surprit en tapant des mains pour m'applaudir. Bravo, Lucie, toi, bien améliorée, toi. Devenir vite forte. Oh, tu penses? Et c'est quand que je pourrais maîtriser l'épée? Dis-moi! Si toi, beaucoup entraîné, toi, maîtriser mieux, alors toi, devenir forte. Mais je peux pas avoir une petite dague. Une petite dague. Un tout petit. Tant mieux, je suis lasse d'être un fardeau. Ah, toi, pas déprimée, toi, importante. Hein. Merci, Jamon. Jambes allaient mieux? Oui, beaucoup mieux même. Bon, je devrais m'arrêter. Pour le moment, je suis en nage. Je quittai Jamon et partis me doucher en retournant en direction de ma chambre. Je marquai un petit panneau d'affichage sur l'un des murs des couloirs. Celui-ci, sur celui, le nom de mon nouveau partenaire de quadrillage. Oh non, pas lui. Un peu désespéré par le choix de mon coéquipier, je décidai d'aller me coucher sans plus tarder. Césarelle! Le lendemain, après une grasse matinée, je suivis d'une brève réunion avec les autres membres de la garde concernant la mission, je cherchais mon binôme sans le trouver. C'est Zarel, là, ouais. Putain, on peut pas garder Valkyon. Bonjour Lucie, tu es en route pour ta mission? Oui, c'est exact. Tu n'as pas amené ton familier? Non, je préfère que Balou reste chaud. Ah, oh, c'est cool, ils ont gardé le. Ils ont gardé le familier actuel, c'est cool! Bah, il s'appelle Balou et il me sert à rien. Voilà. Balou. Non, je préfère que Balou reste au chaud dans la maison, c'est mieux. Et ton familier, Toby? Oui, Balou est plutôt calme et adorable, je ne vais pas m'en plaindre. Comme toi alors, pourquoi tu dis ça? Les familiers ressemblent souvent à leur maître. Oh, c'est mignon. C'est mignon, mignon. Ah oui, donc ça veut dire il sert à rien alors? C'est ça? Vu qu'il me sert à rien, il rapporte de la merde. Vas-y, Balou. C'est peut-être parce qu'il est trop lourd. Ah, je sais pas. C'est pas trop tôt. Ah, Isara, je te cherchais, mon cher binôme. Sans rire. Bon, tu te dépêches, on va être en retard. Sans attendre, nous partîmes en direction de la forêt. Les autres membres de la garde conviés devaient sans doute être partis depuis longtemps, car nous n'en croisâmes aucun. Je suis allée par ici hier et toi par là. Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas trop. En fait, rien du tout même. Ok, j'ai vu avec Miko et on a le choix entre deux zones, celle-ci et celle que j'ai déjà vue hier. J'ai cru voir un truc, j'aimerais vérifier. D'accord, si ça reste dans les plans de la garde, je n'y vois aucun inconvénient. Les plans de la garde? Tu t'entends parler des fois, comment ça? Ah, tu me fais mourir de rire. Les plans de la garde, je t'adore. Sérieusement? L'ironie, ça te parle? Non, mais t'es pas drôle, les arènes. Alors, votre mission, comment elle se passe? On n'a pas trouvé grand-chose pour le moment, et toi? Non plus, bon, il faut que j'aille retrouver mon binôme. Bonne chance pour aujourd'hui, merci toi aussi. Donc il est allé par là hier. Psst, tu m'as parlé? Non, le bruit semble provenir de derrière cette arme. Ezarel m'a regardé, je l'ai regardé. Bref, on s'est regardé. Chrome, c'est toi? Chut, pas si fort!
Qu'est-ce que tu fais ici? Je la fuis. Là? Oui, Miko et Ika. C'est... Elles m'ont... Chrome. T'es où? J'ai peur, moi. Tu devrais y retourner. Ils affichent un large sourire. Il affiche, pardon. Il affiche un large sourire, mais je vois bien qu'il ne peut se retenir de rire. Je lui fais quoi, sérieux, moi, pour mériter ça? Oh, rien. Juste perdu un bateau. J'aurais encore préféré être avec toi, Lucie, c'est vrai? Je voulais te dire que. Mince, elle est là, j'y retourne. Ah, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Pauvre Com, à la GA. Elles ont vraiment une dent contre lui. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire une mission avec elle. Vénarde. Comment ça se fait que tu ne l'apprécies pas à ce point? Comment ça? Tu n'as jamais cherché à la connaître? Nous n'avons aucun atome crochu, ça ne sert à rien que je m'embête à la connaître. Donc si je comprends bien, pour toi, si la personne ne te semble pas intéressante, tu ne cherches pas à la connaître. Je sais d'ores et déjà que c'est le type de personne avec qui je ne m'entendrai pas. Et avec quel type de personne t'entendrais-tu? Je m'entends bien avec tout le monde en général, c'est une exception simplement. Je vois. Je n'ai pas trop d'avis sur elle, donc bon. On va dire ça, hein. Et elle est par là, la dernière fois, machin. Eh bien, qu'avais-tu trouvé ici, car il n'y a rien? Je n'ai rien trouvé, j'ai vu quelque chose par ici. Ezarel écarta les buissons de la forêt, je me demandais bien ce qu'il cherchait et observait. Comme d'habitude, il était très méticuleux. Je le regardais faire, ne sachant pas ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait bien chercher, quand soudain. Et attention, l'homme s'est avancé vers moi. Qui êtes-vous? Ezarel semblait prêt à se défendre. Je suis personne. Répondez. Que faites-vous dans la forêt? Vous ne devriez pas venir jusqu'ici. Vous non plus, cette forêt est inspectée de fond en comble. Alors dites-moi qui vous êtes. Ah, vous êtes avec eux alors, ceux qui font les recherches? C'est exact. Je cherche moi aussi. Il n'a pas l'air de vouloir nous donner son prénom. J'ai regardé Zarel, je crois qu'il a eu la même pensée que moi. Eh bien, cherchez ailleurs, vous êtes loin de votre circonscription. Blablabla. J'arrive pas à parler. L'homme, enfin la chose, s'en est allée en me laissant une mauvaise impression. Quelque chose me taraude, je devrais peut-être en faire part à Zarel. Parler de ces mauvaises impressions à Zarel. Zarel? Oui, il y a un truc qui cloche avec ce type. Tu trouves? Oui, je sais pas trop quoi, mais il y a un truc qui me turlupine. C'est peut-être parce que c'est la première créature non anthropomorphe que tu croises. Jamais on n'a rien d'humain. Un peu plus que lui, je trouve pas. Je pense que nous n'avons pas à nous inquiéter de cet homme, je ne suis pas si sûre. Je en parlerai à Miko, mais sincèrement, je ne crois pas qu'il puisse faire le moindre mal. Donc là, on fait quoi? Bon, eh bien, on a fait le tour de notre zone. Il n'y a rien, encore un endroit à noter. Il a pris le carnet et a écrit quelques notes dessus. Tu es vraiment méticuleux. Tu trouves un peu, oui, Valkyrie, on n'a rien noté hier. Il a une excellente mémoire. Pas toi? Je préfère avoir tout noir sur blanc au cas où. On n'a plus qu'à retourner au QG, donc ok. Une nouvelle fois, nous sommes partis en direction du QG et on a ouvert les portes à notre arrivée. Ok. On tourne au QG, donc on va. Non! Aïe aïe aïe. Il a l'air de souffrir. Qu'est-ce qu'il y a, Valkyon? J'ai mal à la tête. C'est vrai, tu es allé à l'infirmerie? Non, ça m'arrive souvent. Ça va passer, rassure-toi. D'accord, prends soin de toi. Hein. Merci de t'inquiéter pour moi. Mais de rien. Ce petit sourire, c'est tellement rigolo. Du coup, j'ai tout noté. Je vais aller fournir mes infos à Icar. Qu'est-ce que tu cherchais au fait? Rien de spécial, mais j'avais entendu un bruit. C'était sans doute l'autre type qu'on a vu. Ah, d'accord. À plus tard.
Au fait, demain tu feras ta mission avec Nevra. Il m'a dit de te dire de le retrouver à la grande porte. Ok, mais comment tu sais ça? On a fouiné les listes des binômes hier soir. C'est pas bien. Je sais. Je ferais mieux de retourner à ma chambre. Ok, let's go. En arrivant dans ma chambre, jamais de ma vie je n'aurais imaginé quelle catastrophe m'attendait. Fièrement dressée sur mon lit se tenait une espèce de panda roux bleu. Il est pas roux alors s'il est bleu. Je le regardais l'air horrifié en voyant tout le raffut qu'il avait mis dans ma chambre. Mais il continua à mettre son bazar partout. Je m'approchais de la bête pour la contenir et elle m'attaqua. Oh, il est trop mignon! La chose 1, moi 0. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Et arrête-toi tout de suite de déchiqueter mon lit. Il n'a pas l'air très coopératif. Non mais je rêve, non mais je rêve! C'est cet air ravage mes draps. Je sais pas, je suis complètement abasourdie. Je vais chercher son propriétaire. Commençons par l'attraper. Petit, allez viens par ici, sois gentil. Cette bête ne veut pas s'approcher. Il a sauté de mon lit et s'est glissé dessous. Essayez de l'abattre avec un bout de ficelle. Et regarde la jolie ficelle. Qui est-ce qui a envie de la... Qu'est-ce qu'il a? Putain, qu'est-ce qui va l'attraper, hein? Le chat de mes grands-parents adorait jouer avec. J'espère que ça va marcher avec lui aussi. Il s'est dressé et m'a regardé l'air plus dédaigneux qu'il soit. Ok, sympa la bête. Au moment où je pensais enfin avoir dompté la bête, le familier sauta sur les deux pattes et me griffa au visage. Ah! Je l'ai aussitôt lâché et il est parti se réfugier sous le lit à nouveau. Malgré tous mes efforts, le monstre ne sortit pas tout de suite. Je dus attendre quelques heures pour qu'il daigne faire quelques pas en dehors de mon dessous de lit. Plus docile qu'avant, il me laissa l'attraper. Bon, c'est parti pour retrouver ton ou ta maîtresse. Si je crois l'adage de Leftan sur la similarité entre le maître et le caractère de son familier, je suis sûre que c'est Miko. J'avoue. Je me rendis dans la salle du cristal pour y retrouver Miko. Tiens, voilà ton monstre. Mon monstre? Oui, ce n'est pas ton familier? Pourquoi en étais-tu si sûre? Eh bien, je... Je peux quand même pas lui dire que j'ai pensé que c'était le sien parce qu'ils ont tous les deux un seul caractère. Alors, je sais pas. J'ai cru, je sais pas pourquoi. Non, attends. Amaya? Le familier a couru vers Miko et lui a mordillé la jambe. C'est bien elle. Cherche Leftan, c'est son familier. Leftan? Mais pourtant, il m'a dit qu'un familier ressemblait à son maître. Que quoi? J'ai rien dit. J'ai pris Amaya dans les bras et je me suis enfuie alors que Miko pestait sur son caractère de chien. Et merde. Et merde. Bon, il faut que je trouve Leftan. Ah ma mère, le familier s'est débattu avant de sauter dans les bras de Leftan pour se frotter contre lui. Qu'est-ce que tu faisais avec mon familier? J'ai trouvé dans ma chambre il y a quelques heures, je cherchais son propriétaire, c'est toi? J'espère qu'elle ne t'a pas causé de soucis. Elle n'est pas très facile. Il faut savoir la dompter. Avec lui, ce familier a une toute autre attitude. Mais au fait, tu ne m'avais pas dit que les familiers ressemblaient à leur maître? Si, très souvent en tout cas. Excuse-moi de te le dire, mais ton familier est vraiment une horrible peste. Peut-être en suis-je une aussi, qui sait? Mais non, je ne pense pas. Merci de me l'avoir ramenée. Je suis désolée du tort qu'elle a pu te causer. Je crois qu'elle est un peu jalouse. Jalouse de quoi? Eh bien, parce que je t'apprécie. Oh! Allez, bonne journée. Je rougis. Je rougis forcément. Ma mission accomplie, je suis retournée dans ma chambre pour dormir. Dans le lambeau qui nous reste de draps. Voilà. On n'a plus de draps. Alors attendez. Bref. On récapitule cette journée. Alors, on a eu un arc au lieu d'une épée, parce qu'une épée, c'est vachement plus classe qu'un arc. Hein. À moins qu'on s'appelle Pharyngis. Là, éventuellement, l'arc, ça fait classe. Mais bon, moi, je préfère Guip, tu vois. Je préfère l'épée, quoi. Marteau, moyen. Ça le fait moyen. Et on n'a plus de draps. Voilà. J'ai une longue journée qui m'attend demain encore.
Je me levais le matin et commençais une journée des plus ordinaires, repas, entraînement, douche, habillage, etc. C'est bien, on s'entraîne tous les jours, c'est cool. Il fut bientôt 15 h. Tous les jours à 15 h, en fait, il serait grand temps de rejoindre Nevra. Alors, il a dit devant la grande porte: Salut, Icar! Oh, Lucie, c'est toi, je ne t'avais pas beaucoup vue depuis la réunion. Oui, c'est vrai, je crois que nous avons été un peu occupées toutes les deux. Il faudra qu'on aille boire un verre, un de ces coups. Un de ces soirs, pardon. Ok, compte sur moi, pas d'alcool par contre, hein? Pas d'alcool! Et toi, ne passe pas à côté de moi sans m'adresser la parole. Qui, moi? Oui, toi! Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'avais confié une mission, quelque chose d'important, tu t'en souviens? Non. Tu devais dire à Icar pour ton métissage. Mince, c'est vrai, désolé, j'ai oublié. Ce n'est pas grave, tête de linotte. Elle est partie en me frottant la tête. What? Oh putain. Pas trop dur? Bah non. De la mission de quadrillage, à quoi pensais-tu? Ah, rien de spécial. Tu es bien étrange comme fille. Ça se passe bien sinon, on n'a rien trouvé de particulier, mais bon. Courage. Je suis bien spéciale, forcément, je suis pas de votre monde, pourri. On est du monde des humains, nous, tu vois, on est au calme, posé. Ça y est, je suis arrivée à la grande porte, mais pas un seul Nevra en vue. J'espère qu'il va arriver à l'heure. Le temps passe et il n'est toujours pas là. Bon sang, Nevra, il est 15 h passées, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas me permettre de l'attendre plus longtemps. Attends encore un peu. Il ne va jamais arriver et je commence à avoir peur. Lucie, désolée pour le retard. Sérieusement, tu abuses? Je te l'ai dit que j'étais désolée, moi. Ouais. Après avoir passé les portes du QG, je me tournais vers Nevra. Bon, quelle portion de la forêt devons-nous contrôler aujourd'hui? Celle-ci. Il m'a montré sur le plan un endroit que je n'avais encore jamais exploré. On y accède comment? Oh, ben en passant par l'espèce de bosquet tout rigide. Ah, c'est par ici que je suis passée hier. Avec elle, c'est ça, ouais. C'est par ici alors. Donc, orée de la forêt. On va là. Par ici. Là. Là aussi. Et ça, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta zone. Oui, je sais, je te cherchais. Qu'est-ce qui se passe? L'un des villageois nous a signalé la perte de plusieurs brassards. Et? Fais attention si tu croises quelqu'un. Ah, c'est peut-être l'homme de la dernière fois. Je n'arrive plus à me souvenir s'il porte un brassard ou non. Non, il n'en portait pas. L'endroit est désert. Je me demande vraiment si quelqu'un a mis les pieds par ici. Enfin, voilà. Ça sert à rien de s'attarder ici plus longtemps. Rien ici non plus. Tu m'as l'air énervé. Oh non, du tout. J'en ai juste marre de ne trouver aucun indice viable. Ce n'est pas de ta faute, ça, je sais, mais j'aurais aimé être plus efficace, du coup. Tu sais, cette mission de quadrillage, on ne sait pas vraiment ce qu'elle donnera, c'est-à-dire. On espère trouver quelque chose, des indices, ou une créature à la cause de toutes ces disparitions, mais on n'en est pas sûr. Tu veux dire que si ça se trouve, il n'y a rien dans cette forêt? Possible, oui. Donc on fait tout ça pour rien? Non, c'est plus compliqué que ça. Explique-moi, s'il te plaît. Ça fait un petit moment qu'il y a des disparitions dans la région. Jusque-là, c'était assez anodin. Une par-ci, une par-là. Pas de quoi établir des connexions entre chacune. C'était quand même des enfants, les parents ne se sont pas inquiétés. Ah, c'est Icar qui t'a dit pour les enfants? Oui, pourquoi? Elle s'est un peu emballée, comment ça? Les disparitions d'enfants sont assez récentes. Ça fait quoi? Une semaine qu'on en parle réellement. De base, c'était des adultes. C'est pour ça qu'on a eu des infos assez tardivement. Attends, tu m'embrouilles. S'il n'y a pas eu tant de disparitions d'enfants que ça, pourquoi en avoir fait un tel pataquès? C'est Icar, elle stresse beaucoup. D'accord, mais ça ne fait pas la fin de moi. Quand Méris est perdue, pourquoi avoir décidé de faire la battue dès le lendemain? On voulait attendre d'avoir d'autres informations au début, mais on n'avait pas lancé cette mission de suite, on aurait eu tout le QG sur le dos. Si on l'avait pas lancé de suite, ouais. Je vois que vous voulez éviter les soulèvements. Soulèvement, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais il y a de l'idée. Merci pour les éclaircissements. Éclaircissements, voilà. Par contre, tu ne devrais peut-être pas me confier tout ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Entre le fait que vous ayez lancé la mission pour des raisons, si je puis dire politiques, et le fait qu'il n'y ait possiblement rien à trouver dans la forêt. J'ai l'impression que c'est le type d'information que je ne devrais pas savoir. Et en quel honneur?
Parce que tu pourrais le répéter. Oui, on ne sait jamais. Et à qui? Tu n'as aucun ami ici. Bah, c'est faux. Je suis amie avec plein de gens. Cite-moi, hein. Tu vois, tu n'as personne. Hein, fais pas cette tête. Je disais pas ça méchamment. Ça l'est. Désolée, si tu veux, je pourrais devenir ton amie. Oh, merci, c'est gentil. Alors, bosquet rigide, on a dit, hein. Tanière des bruyères ou l'assemblée des bouleaux. On va mettre ça. Tanis naturel ou on part. Tanis naturel. On va rentrer déjà. On a quadrillé toute la zone qui nous a été attribuée. Ça ne sert à rien de fouiller pendant des heures. Il n'y a rien ici. D'accord. Si on dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Attends, Nevra, nous ne sommes pas allés par là. C'est en dehors des limites qui nous ont été données. Ça ne coûte rien d'essayer ici. Je sais pas, attends au moins 2 secondes. Il s'est avancé dans le chemin et a tâté le sol pendant quelques instants avant de revenir vers moi. Personne n'est passé par là ces derniers jours, on peut y aller, c'est vrai? Ouais, Miko n'apprécie pas trop les excès de zèle, mais bon, j'ai rien d'autre à faire puisque ça semble t'intéresser. Ok, merci. Il n'y a rien ici à part cet arbre et ces autres arbres. Dommage, encore un échec. Mais non, ce n'est pas un échec, je te l'ai dit, on n'est pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit. Quoi que ce soit ici, on vérifie simplement. Oui, tu as raison, rentrons alors. Non, restez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu quelque chose? Non, pourtant j'ai le wifi. C'est pas embêtant. Deux. T'entends ce bien? Je ne supporte pas d'entendre le moindre bruit quand je dors, par exemple. Je suis habituée aussi, donc j'entends plus certains bruits. Tu sais dorénavant que je peux entendre toutes les méchancetés que tu peux te dire. Tais-toi, Nevra. Tu n'entends rien? Qui parle? Où êtes-vous? À qui parles-tu? Mais tu n'entends vraiment rien du tout! Mais qui? L'homme. L'homme? Quel homme, Nevra? Montrez-vous. Nous ne vous ferons aucun mal. Je cherchais partout d'où pouvait bien venir cette voix sans rien trouver. Alors je m'approchais du grand arbre qui trônait fièrement au milieu de toute cette broussaille. Une main sortit de celui-ci et m'attrapa. Lâchez-la. Il s'est interposé entre moi et la chose qui m'empoignait. Je suis désolée, je ne voulais pas faire de mal. Vous êtes la jeune femme qui me parle à l'instant, n'est-ce pas? Oui, je ne voulais pas vous faire peur, je suis désolée. Vous êtes une hamadryade? Tout à fait, et ceci est mon arme. Une âme à quoi? Une hamadryade est une nymphe de la forêt. En gros, elle ne peut pas trop s'éloigner de son arbre. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Pourquoi avoir sollicité mon ami? Pour rien. Vous m'avez demandé de vous aider? Non, elle a l'air terrifiée, je me demande bien pourquoi. Vous pouvez nous en parler, vous savez. De quel homme parliez-vous tout à l'heure? C'est à cause des disparitions de la forêt, c'est ça? Non, elle est disparue. Je ne veux pas en parler. Laissez-moi tranquille. Ou il va me faire du mal. Qui il? Ah! Elle est partie à l'intérieur de son arbre. Nevra m'a fait signe de le suivre ailleurs. Je crois qu'elle sait des choses sur ce qui a été enlevé, sur ce qui a enlevé toutes ces personnes. Je pense aussi qu'elle avait l'air effrayée par quelqu'un. Nevra, il faut que je te dise un truc. Allez quoi? Avec les arènes, nous avons croisé un homme et je me demandais si c'est pas lui dont elle est effrayée. Pourquoi penses-tu ça? J'ai eu une sale impression en sa présence, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Un mauvais pressentiment, on peut dire ça. Et est-ce qu'il a dit rien de spécial? Mais je pense qu'il est vraiment louche, il n'a pas voulu décliner son identité et je crois me souvenir qu'il n'avait pas de brassard. C'est pas vraiment un excellent critère de suspicion. Il a levé les yeux au ciel, au ciel, au ciel. J'en ai marre! C'est vrai que peu des gens de la garde l'ont finalement porté. Nous devrions en parler à Miko. Devrait-on pas envoyer quelques personnes pour protéger cette femme? Non. Il a regardé les arbres autour de nous. La forêt s'en chargera d'elle-même. Les hamadryades sont très liées à leur forêt. Aucun mal ne lui sera fait dans son domaine, tu penses? Oui, j'en suis certain. Retournons voir Miko au plus vite. Alors, je ne suis même pas rassurée pour elle. Tss. On retourne au QG, c'est bien comme ça, on gaspille vraiment tous nos points. Bosquet rigide. Ah merde. Passage des anciens, chemin rocheux. Ah voilà, c'est bon, c'est bon.
Oh, pardon, je t'ai bousculé? Non, pas du tout. Attends. Tant mieux, j'étais un peu perdue dans mes pensées. Ça peut se comprendre avec tout ce que tu as vécu ces derniers temps. En tout cas, je t'ai trouvé très courageux quand tout le monde t'a posé des questions. Oh, merci, toi aussi, tu es en mission, Kero? Ah non, du tout, qu'est-ce que tu faisais dehors? J'avais besoin d'un fruit particulier pour une potion et nous n'en avions plus au marché. On t'a laissé sortir tout seul? Non, je suis avec ces hommes là-bas, je vois. Je crois que je vais aller boire un coup, il fait tellement chaud, mon Dieu. On va juste rentrer. En chemin, Nevra m'expliquait en détail ce qu'était une hamadryade. A contrario de leur homologue, les dryades, ces êtres féeriques ne pouvaient malheureusement pas s'éloigner de leur arbre sans risquer la mort. Leur destin était toujours étroitement lié à celui de leur arbre. Si celui-ci venait à disparaître, elle aussi, je trouvais cette fatalité des plus tristes. Tu sais, si tu as des questions, tu ferais mieux d'en parler à une hamadryade directement. La jeune femme que nous avons rencontrée n'avait pas l'air très loquace. Non, mais avec une dans la garde, Camperia par exemple. Cam qui? Cameria, une membre de la garde obsidienne. Il y a une hamadryade chez les obsidiens? Oui, je ne l'ai jamais croisée. En ce moment, c'est normal, elle est en mission dans une autre région. Bah, je croyais qu'elle ne pouvait pas s'éloigner de son arbre. Elle ne s'en éloigne pas? Mais comment? Tu verras bien. Ah, faudra vraiment qu'on la voie, cette fille. Je me demandais comment cette Camélia pouvait être si loin tout en étant si près de son arbre. C'est un petit arbre en pot qu'elle garde dans sa poche. C'est une fleur. Non, je sais pas. La garde d'elle possédait peut-être des êtres succursales partout dans le monde d'Aria, ou alors non, c'était pas possible. Nous rentrâmes bien vite au QG pour nous retrouver face à Miko. Mon Dieu, que la chaleur est horrible. Nevra, Lucie, qu'est-ce que vous faites là? On vient de finir l'exploration de notre zone, alors? Nous avons rencontré une jeune hamadryade, elle paraissait chamboulée. Dans quel sens? Je dirais plutôt effrayée. Effrayée par quoi? Elle nous a parlé d'un homme, nous avons essayé d'avoir plus d'informations, mais elle s'est recroquevillée dans son arbre sans plus de répondre. De réponse, pardon. Pour qu'une hamadryade soit effrayée par quelque chose dans son domaine, c'est qu'il se passe des trucs pas nets. C'est ce que je me suis dit, je me demande juste pourquoi. Vous lui avez parlé des disparitions? Brièvement, mais comme te l'a dit Lucie, elle est très vite retournée à l'intérieur de son arbre. Elle avait l'air de me faire confiance, je veux dire, elle m'a appelée alors que Nevra ne l'entendait pas. Miko et Nevra se sont regardés avant qu'il ne susurre le mot suggestion. Je pense que je pourrais lui soutirer des informations si je retourne la voir. Nous avons des membres qui ont de grandes compétences dans ce domaine. Merci pour ces informations. Je compte sur vous pour les transmettre à Ekar si ce n'est déjà fait. Je suis désolée de vous demander ça, mais pouvez-vous sortir? J'ai besoin de réfléchir au calme. Pas de souci, nous sommes sortis. Bon, on va voir Ekar et Kero. Je pense que cette fois-ci, ils seront contents de nos informations. Laisse, je vais le faire tout seul. Pourquoi ça? J'ai envie d'étudier le dossier complet et voir avec Ekar si je peux pas recouper des informations sur ce type que tu as croisé. Ça risque d'être ennuyeux, donc mieux vaut pour toi te reposer. Tu me tiendras au courant? Si je trouve des informations, promis. Merci. Donc là, on retourne dans sa chambre encore. Let's go. J'ai enfin terminé cette troisième journée. J'espère que c'est bien la dernière fois que je fais cette mission. Trois fois, c'est déjà bien assez. J'espère aussi que les autres équipes auront trouvé plus d'indices que moi lors de mes explorations. Je suis bien contente d'avoir pu parler avec Nevra du réel but de la mission. Je comprends de plus en plus les enjeux qu'encourt la garde d'elle. Après quelques heures et avoir mangé, je fis un tour bref dans les couloirs et profitais des dernières minutes avant le couvre-feu. Je passais par les tableaux d'affichage afin de bien vérifier mon binôme du lendemain et eu le plaisir de voir que les explorations étaient dorénavant terminées et que la phase de recoupement d'informations était de mise. Eh bien, on l'a exploré rapidement cette forêt, mais c'est vrai que nous n'étions pas seuls. Je n'ai pas vu beaucoup de membres des villages voisins. Bon, ça ne sert à rien de rester dehors plus longtemps. Je ferais mieux d'aller me coucher. De toute façon, je suis épuisée.
Je mis à peine quelques minutes à m'endormir après m'être couché, abattu comme une masse par cette journée harassante. S'il te plaît, garde toujours les yeux ouverts. What the fuck? S'il te plaît, garde toujours les yeux ouverts. Hein? Ne me quitte jamais. Valkyr, occupe-toi. Lucie, aide-moi, cette voix. Mais pourquoi on rêve de Valkyon? C'est complètement what the fuck? Je comprends plus rien. J'ai peur de lui. De qui avez-vous peur? De l'homme sans brassard, celui que vous avez vu dans la forêt. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je n'ai plus beaucoup de temps, aidez-moi, attendez. Je me suis réveillée avec l'impression d'avoir hurlé au milieu de ma chambre. En regardant par la fenêtre, je réalisais qu'il faisait toujours nuit. J'avais une envie féroce de rejoindre la Madriade. Mon cœur me criait qu'elle avait besoin de moi et moi seule pouvais l'aider. L'aurore ne tarda pas ainsi à se. Ainsi que la levée du couvre-feu pour le reste de la journée. J'attrapai manteau et armes et indiquai à Balou de rester ici, par sécurité. Puis je m'aventurais dehors. Et pourquoi il ne peut pas nous accompagner, Balou? Ce serait rigolo d'avoir l'image à côté. Personne ne devait savoir que je me rendais dans la forêt. Attends, mais on a fait quand même un rêve bizarre avec Valkyon, là. C'était trop what the fuck. Mince, la porte est fermée. En même temps, nous sommes sous couvre-feu. C'était un peu bête de ma part de penser qu'elle serait ouverte. Je vais devoir trouver un autre moyen, mais lequel? La Madriade a besoin d'aide. Ah, voilà Miko. Lucie, où es-tu comme ça? Moi, nulle part, je me promène simplement. Tu n'as pas autre chose à faire depuis la mission d'hier? Non, pas du tout. D'accord. Bon, on est plutôt assuré, hein? Ok, on croise personne. On peut escalader, non? Je sais pas, il y a des murs. Ouais, mais là, ça sert à rien ce qu'on fait. Coucou Lucie, coucou Icar. Dis, tu as un peu de temps là? Pas vraiment, pourquoi? Ah, je voulais t'inviter à prendre une boisson chaude avec moi. Une autre fois peut-être. D'accord. Eh non mais, je crois que je vais pas m'en remettre de ce rêve ultra étrange quoi. Je dois absolument trouver un moyen de sortir d'ici. Lucie, ça va? Oui, et toi? Je ne suis pas au mieux de ma forme, mais ça va. Quoi te dire? Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pressée. Non, ça non. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, une petite baisse de régime, mais rien de grave, ne t'en fais pas. Dans ce cas, dis pas que t'es pas au mieux de ta forme, d'accord? Je ne sais toujours pas comment sortir d'ici, je suis désespérée. À moins que je pourrais escalader ce mur. Alors qu'il n'y avait personne ici, je tentais d'escalader le mur. Celui-ci était malheureusement beaucoup trop haut que je le pensais, et bien trop lisse. Après quelques minutes, je dus bien admettre que l'office était impossible. Attends, j'imagine trop, là, il y a quelqu'un qui passe au même moment. Il ne me reste plus qu'une solution. Et là, Valkyrie passe, mais Lucie, qu'est-ce que tu fais? Rien, je m'entraîne à l'escalade. Voilà. Je trouve que pour partir en mission, c'est très important de savoir escalader des murs. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'une solution, passer en douce par la porte. Mais comment? Il y a des relèves de garde, je ferais mieux de les observer et d'attendre le moment opportun en espérant qu'il y ait une faille. J'attendis un petit moment et malheureusement, la garde fut plus organisée que j'eus escompté entre les deux groupes de gardiens. Il n'y eut aucune faille dans laquelle me glisser. Quoi faire? Que faire? Attendre encore un peu. À force de patience, je vais finir par avoir un peu de chance, non? Une nouvelle patrouille a franchi les portes après je ne sais combien de temps. Non mais je rêve, ne me dites pas que... Ils n'ont pas fermé la porte! Haha! Je profitais de cette étourderie pour passer les portes du QG en un instant. J'étais enfin dehors
Il ne me restait plus qu'à rejoindre la Madriade. Ok, let's go! Elle est un peu loin aussi, hein, la Madriade, là. Mamselle la Madriade. Mamselle la Madriade. Mamselle la Madriade. Elle est où la Madriade? Elle est par là. Talie naturelle. Je suis là, où êtes-vous? Ici. Pourquoi m'avoir appelé? J'avais besoin de votre aide. Dites-moi tout, je veux vous aider. Je ne sais pas. Est-ce que je peux réellement vous faire confiance? Je vous l'assure, je m'appelle Lucie, mais vous le saviez déjà. Je ne vous ferai rien. Dites-moi ce qui vous fait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le sentiment que je dois aider cette femme. Elle m'a l'air si perturbée. Je m'appelle Vonny. Je vis dans cette forêt depuis toujours, mais je ne m'étais jamais présentée à cette personne avant vous. Est-ce que je peux dire tu? Bien sûr. Peu de gens viennent par ici d'habitude, je regarde les familiers qui se perdent et je fais en sorte qu'ils retrouvent leur chemin. Mais depuis quelque temps, un homme rôde dans les bois et... Et? Depuis, tout va mal, je crois que cet homme est... Et quoi, mauvais? Oui, il est venu tourner les tours de mon âme pendant que je dormais et il a mis une marque dessus. Je crois que c'est un maléfice, car depuis je me sens... Car je me sens mal depuis. Ah bon, ou ça? Elle m'a montré un point sur le bas du tronc, et effectivement, il y a une marque très étrange. Je ne sais pas du tout ce qu'elle peut signifier. J'ai approché ma main de la marque. Tu peux la toucher? Tu veux que j'en l'enlève? Si tu peux, oui, ne t'inquiète pas si cela me fait mal, d'accord? Si tu le dis. Je commençais donc à enlever la marque sur l'écorce de l'arbre. J'entendis la Madriade pousser un petit cri de douleur, et elle m'indiqua de continuer malgré tout. Plus la marque sautait, plus j'avais la sensation d'étouffer. J'avais de plus en plus de difficultés à respirer, et lorsque j'eus ôté toute trace de saut imposée par la bête, je sentis un liquide, comme un liquide sur mes mains. Je regardais mes paumes d'un air dubitatif, je savais qu'il y avait quelque chose sur ma paume, mais il m'était impossible de le voir, et ma respiration, j'éprouvais de grandes difficultés à l'équilibrer. À mesure que celle-ci se faisait de plus en plus oppressante, je remarquais que mes mains avaient pris une teinte rougeâtre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'à ce que je réalise. Mes mains étaient couvertes de sang. Qu'est-ce que... Tu sais, j'ai bien cru que cet affreux sceau ne s'enlèverait jamais. Si je retrouve cet abruti, je te jure qu'il ne poserait pas un deuxième. Sa voix est différente. Elle a l'air plus assurée. Elle est à côté de moi, je suis paralysée. Pourquoi ne veux-tu pas fermer les yeux? Allez, ferme-les, s'il te plaît. Tu as de très beaux yeux, cette couleur violette avec des reflets jaunes, bleus. Je suis sûre qu'ils seront délicieux. Chut, ne dis rien. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu t'endormes, ma belle. Il était une fois une jeune et belle Amadriade qui vivait dans la forêt. Elle était bien toute seule avec les fleurs, les arbres, jusqu'au jour où... Ils étaient si bons, si succulents. À chaque fois un peu plus. De quoi parle-t-elle? J'étouffe. Je me délecterai de toi comme tous les autres, alors meurs. Aïe! Je ne sais pas ce que Miss Lucie a en tête, mais ça me semble étrange. À quoi penses-tu, ma chère amie? Oh, on joue Miko! J'avais pas vu! Oh, Leftan, tu m'as surprise. Je viens de croiser Lucie. D'accord, et? Ah, c'est trop bien, on a carrément l'image à côté et tout. Putain, c'est beau. Elle m'a paru agitée, quelque chose ne tourne pas rond avec elle. La même sensation qu'hier soir. Ouais, mais décuplée. Nevra l'a trouvé changé également? Non, je n'ai... Pour en avoir parlé avec lui, il n'a rien remarqué, mais je sens quelque chose cloche. Tu devrais la faire surveiller. Tu as raison, je vais demander à l'un des garçons de s'en charger. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Tu ne lui fais toujours pas confiance. Ce n'est pas la question... Tu sais très bien que je ne fais confiance à personne. Mais de là à mettre des personnes importantes à sa surveillance, au moins je sais que je peux compter sur eux. Je vois. Tu peux aller leur demander? Sans souci, je dis à Jamon de laisser la porte ouverte pour elle au cas où. Oui, je pense qu'elle va se rendre en forêt. Ah, du coup c'était à cause... Ah, d'accord. Bien, j'y vais. Je leur dis de te rejoindre ici. Merci. Après quelques dizaines de minutes, les garçons sont arrivés. Leftan nous a expliqué la situation. Je suis désolée de vous demander ça encore une fois. Ce n'est pas comme si tu nous demandais de surveiller une insignifiante petite humaine. Ah, attends, si. Nous aurions pu tomber sur pire,
elle est quand même gentille. Ils ont soufflé tous les trois, comme je les comprends. Non mais genre, on est affreuse. Lequel d'entre nous en vois-tu en filature, cette fois alors, involontaire? Bon, ok, je choisis. Demander à Valkyon de surveiller. Bah, on va demander à Valkyon, hein. Bon, moi, avec lui, je suis absolument sûre qu'elle sera sous bonne garde. Comment osez-vous? Est-ce que tu as besoin que je te coupe une nouvelle liane? Valkyon, je... Des barbares dans ton genre ne m'effraient pas. Des maléfiques non plus. Dans un élan, il s'élança sur l'ovni pour lui asséner un coup. Elle tomba en arrière et Valkyrie en profita pour me tendre la main afin que l'on puisse fuir ce lieu ensemble. Je ne réalisais pas vraiment tout ce qu'il venait de se passer. J'essayais donc de concentrer mes forces sur la chaleur de sa peau. C'était l'une des seules choses qui me semblait tangible. Là, on se barre, c'est ça? On se cache, chef, on se cache, chef. Nous sommes enfin sortis de la forêt avant de nous diriger à l'intérieur du QG. Valkyrie ne m'a pas adressé un seul mot et s'est mis à tâter mon cou. Aïe! Nous devons aller te faire soigner. Attends, Valkyrie. Il m'a tiré en avant de force direction l'infirmerie. Ah, mais c'est eux aussi, ils ont laissé la porte ouverte exprès pour moi. C'est de leur faute? On est d'accord ou pas? Tiens, Eweline est toute seule. Oui, il faudra que tu examines aussi. Qu'est-ce que... Elle s'est approchée de moi et, comme lui, a examiné mon cou. Contusion, marque de strangulation également. Valkyon, qu'est-ce qui s'est passé? Lucie a fait une mauvaise rencontre. Je vais aller voir Miko pendant que tu t'occupes d'elle. D'accord, je te l'envoie dès qu'elle est rétablie. Il est sorti tandis qu'Eweline continuait de m'ausculter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous examinez tous ma gorge? Regarde cette lumière et suis-la avec tes yeux. Enfin, pourquoi tu me fais passer un examen? Je comprends rien. Bois ça, tu comprendras vite. Vite. D'accord. Et merde. Et me rends compte que celle-ci a un goût absolument horrible. Des images fusèrent dans ma tête, celles des lianes de vie entourant ma gorge, de Valkyon les coupant pour me libérer d'elle, et de cet arbre, cet endroit nauséabond, sinistre, et loin de cette plaine si calme que j'avais vue jusque-là. Tout devenait de plus en plus clair. La Madriane m'avait manipulée, je ne savais pas encore comment, et elle avait tenté de me tuer en m'étranglant. Aïe, 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 aïe! Mais du coup, on n'avait pas vu ça, tu comprends mieux, oui? Je vais t'examiner un petit moment et après je t'accompagnerai voir Miko. D'accord. Et Willy m'ausculta pendant quelques minutes encore avant de m'annoncer que tout était rentré dans l'ordre. Bon, nous devrions aller voir Miko. Oui, je pense aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. Aïe, 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 on va se faire. On va se faire défoncer. Voilà. Ah, te voilà, Lucie. Oh, Eweline, excellent travail. Merci. Son aura a radicalement changé. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dans la forêt? J'ai été voir Vioni, la Madriane. Elle m'a demandé de lui rendre un service et c'est là que. Quel était ce service qu'elle t'a demandé? D'enlever une marque sur le tronc de son arbre. Une marque? Un sceau, précisément. C'est l'homme que nous avons vu. Oui, Zarel m'a raconté. Il s'agit de Krilis. C'est un bugbear. Un bugbear? C'est en quelque sorte un gardien de la forêt. Ah bon? Pourquoi ne pas avoir parlé de lui durant la première réunion? Nous ne savions pas qu'il existait, enfin, qu'il s'était établi dans cette forêt. Comment ça se fait? Nous n'aimons pas faire parler de nous. Ah, je vois. Du coup, à quoi servait la marque que vous aviez apposée sur le tronc de la Madriane? C'est une marque de reconnaissance pour quand nous brûlerions cette arme. Le brûler, mais pourquoi? Pour tuer la créature. Mais c'est ignoble. Elle n'est plus une amadriade. Elle a tué de nombreuses fois et elle est hors de contrôle. Elle pollue la forêt. Je ne trouve pas cela juste. Lucie, ça ira, tu peux aller te reposer. Valkyrie m'a raconté le principal. Tu es sûr, j'ai l'impression de ne t'avoir presque rien dit. Sera, je voulais surtout te voir pour confirmer que tu es bien dans ton état normal maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par état normal, mais j'ai la sensation que je ne dois pas insister pour le moment.
Ok, pas de souci, appelle-moi quand tu auras besoin de moi. Aïe, 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 on a fait une de ces gaffes. Ça, c'est parce qu'on n'a pas eu d'épée, ça. Ça, c'est parce qu'on a eu un arc. Je suis sûre. T'as quelque chose à faire? On va dans notre chambre? Qu'est-ce qui t'arrive? Pas grand-chose. Juste cette histoire d'Amadriade qui me turlupine. Comment ça? Eh bien, ce qui t'est arrivé avec elle. Oh, ne t'es mis pas pour ça, voyons. Je ne suis pas inquiet. Sympa. Allez, comme ça, c'est dit. Ça me turlupine plutôt. C'est-à-dire. Eh bien, tu as été manipulé très facilement à ce que j'en juge. Aïe, aïe, aïe. Non, mais le truc. Non, je suis pas inquiet. Ok, ça c'est sympa. Je suis désolée. Il ne le faut pas, c'est pas de ta faute. Ah, si, un peu quand même, hein. Parce qu'on est naïf. On est naïf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Oh, il me regarde, l'air troublé. Si, hein. Iker m'a dit pour ce qui t'est arrivé. Comment ça, elle a su ça? Je sais pas. Je suis vraiment désolée, tu vas bien? Oui, ça va, je t'assure. Vous êtes plutôt proche avec Iker, je me trompe? C'est une bonne amie. D'accord. On va pas chercher plus, hein. Hé, qu'est-ce que tu fais? Moi, rien de spécial et toi, rien non plus. Ça va. Moyennement, après la noyade, la strangulation, j'enchaîne les soucis. J'avoue, on pourrait presque croire que tu es la famille d'Ed Murphy. Ed qui? Edward Aloysius Murphy. Junior? Attends, Junior? Ah, tu le connais? Oui, il est à l'origine d'une sorte de loi de la malchance chez moi. Une malédiction, ouais. Et comment le connais-tu? Murphy Junior était célèbre, un célèbre faélien dont la famille s'est exilée sur votre terre. Ah bon? Oui, les faéliens sont plus nombreux que ce que vous pensez, vous, tu sais. Mais le maître Kappa m'avait parlé de chasse aux féeries. Il y en a eu, et il y en a toujours, mais certains faéliens exilés sont encore non identifiés et ont le plaisir de vivre sur Terre. Oh, je vois, j'imagine que c'est difficile pour des personnes comme Chromojaman. Ouais, dès qu'on a une particularité physique un peu trop visible, la cohabitation chez les humains est presque impossible. Après, Murphy était un faélien à 2000 prochaines, si je me souviens bien, du coup, il avait l'allure d'un homme normal. C'est possible pour un féerie d'avoir une allure humaine entièrement? Si sa race est humanoïde à la base, oui, regarde-moi, mis à part mes canines et mes oreilles, je ressemble tout à point à un non-féri. Tu irais faire un bain de soleil chez moi? Tu rêves. Eh mais d'ailleurs, pourquoi tu ne brûles pas ici? C'est comme pour Chrome, j'imagine le soleil a une influence différente ici. Exact. Tu n'es pas si bête des fois. Eh! On ne critique pas, s'il vous plaît. Lucie! Laisse-moi deviner, tu me cherchais? Exactement, tu commences à me connaître, à force oui. Miko aimerait que tu la rejoignes à la salle de cristal, c'est important. D'accord, j'y cours. Il court, le furet. Waouh, il y a du monde. Je suis là, Miko, Iker m'a dit que tu m'avais demandé. Oui, installe-toi. J'ai regardé tout autour de moi. Il n'y a aucune chaise, je ne vois pas trop où m'installer, mais bon. Je peux toujours m'appuyer quand l'une des rambardes. On s'installe où? C'est-à-dire que sinon ils vont me faire la gueule, voilà, de toute manière. On va s'installer près de Valkyon. Hein. Il m'a regardé d'un drôle d'air. Aïe, on dit quoi? Ne rien dire? Ne rien dire. Puis j'ai senti le bras de Valkyon passer derrière mon dos, j'ai rougi. Si tu veux t'y appuyer. Miko s'obstine à faire des réunions ici plutôt que dans la salle attitrée. Ah merci, ça ira. On vous dérange peut-être les Lovigis, hein? Mais. Elle a cassé un petit sourire satisfait en notre direction. Bon, avec Leftan et Jamon, nous avons eu largement le temps d'analyser la situation qui devient on ne peut plus critique. Comment ça? Depuis que Lucie a dévoilé la vraie nature de la Madriade, la forêt a changé. Les derniers rapports établissant que celle-ci est maintenant
le domaine de notre ennemi. Ennemi, le terme n'est pas un peu fort. Au vu de toutes les atrocités qu'elle a commises, non. Mais nous avons les preuves que c'est bien elle qui est à l'origine des disparitions. Miko s'est avancé vers moi et a tendu plusieurs affaires devant moi, dont un crâne de ce qui me semblait être un cristal, et des os qui, eux, paraissaient tout à fait humains. Bah, comment vous avez trouvé ça? Après ce qui est arrivé, nous avons envoyé une patrouille et ils ont trouvé ça à divers endroits de la forêt, sur le chemin menant vers l'arbre. De plus, tes mains étaient couvertes de sang et Willy nous a rendu les résultats d'analyse. Il s'agit du sang de Ferris et de Faelia. Quoi, mais comment est-ce possible? À l'heure actuelle, nous n'en savons rien. Nous pensons simplement que cette femme, cette chose, se nourrit de personnes faibles qu'elle rencontre dans la forêt. Allez, ça c'est dit! Comme ça, on est faible. Ça, c'est parce qu'on a un arc. Ça, je le dis, c'est parce qu'on a un arc et pas l'épée. Pourquoi, à ton avis, la scission dans l'équilibre du cristal, ça l'a affectée comme tous les autres avant elle? Leftan, peux-tu expliquer la mission? D'accord, c'est vrai qu'il est assez petit le cristal derrière. Nous vous avons fait, comparé à la salle, nous vous avons fait convoquer pour pénétrer à nouveau dans la forêt, le but, éliminer la Madriade. Quoi, ils sont pas sérieux? Je me suis avancée, mais il m'a retenu en me susurrant pas maintenant. Je sais que certains d'entre vous restent toujours contre ce type de pratique, certes, c'est un être vivant, pensant et parlant, mais nous n'avons pas de cho le choix. Vous savez très bien que c'est une cause perdue, nous n'avons toujours pas trouvé d'antidote à ce mal. Comment devons-nous procéder? Oh, j'ai vu une fois de loin, donc comment devons-nous procéder, n'est-ce pas? Décapitation, démembrement, immolation par le feu, quoi? Mon Dieu, on se croirait dans Yandere Simulator. Décapitation, démembrement. Immolation par le feu. Ah bah c'est le prochain épisode de Yandere, tiens. Seigneur, j'ai la nausée rien qu'à entendre tout cela. Bien entendu, la meilleure technique est de brûler son arbre, mais je doute qu'elle vous laisse vous en approcher. Nous avons alors pensé à un plan pour vous donner une chance de l'atteindre. Lucie, nous espérons que tu acceptes d'y contribuer, hein? Oui, nous avons besoin que tu serves d'appât. Elle voit sûrement en toi une cible facile ou encore une alliée potentielle. Elle aura donc plus de prédisposition à t'écouter et je te laisse l'approcher. Ton but sera alors de l'éloigner de son arme. Si tu n'arrives pas, de retenir son attention pour que ton partenaire puisse t'achever. Es-tu d'accord? Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Très bien, comme tu es l'appât de cette opération, nous considérons également que c'est à toi de choisir qui sera ton partenaire pour cette mission. Ah, ok? J'aimerais t'accompagner de Valkyon. D'accord, il n'a pas l'air spécialement ravi. Durant l'heure qui suivit, nous exécutâmes quelques manœuvres stratégiques qui consistaient à simuler notre plan d'attaque. What? C'est quoi ça? Nouveauté dans les actions QTE, le multi-clic dorénavant, en plus des actions clic simple. Et des actions formes, tu vas devoir cliquer plusieurs fois pour faire disparaître un icône. Attention, clique à côté, c'est loupé. Aïe, 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 aïe. Ouais, pas de soucis. Aïe, 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 j'ai commencé, j'étais pas prête. Je pensais pas qu'il y aurait un QTE là maintenant tout de suite. Clac, 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 clac. Il faudra qu'il fasse des QTE un peu plus simples, s'il te plaît. De sur quoi? Eh, en plus, après, ça va se compliquer, mon Dieu, ça va être horrible. Et pour vous donner l'occasion d'opérer un retrait au besoin, d'autres membres de la garde vous accompagneront et encercleront le reste de la forêt. Pourquoi ne viennent-ils pas directement avec nous? Nous pensons qu'une attaque trop frontale pourrait engendrer de fortes représailles de la part de la Madriade. Si, comme je le suppose, grâce au dire de Lucie, elle a mangé les personnes qu'elle a croisées dans la forêt, sa force a dû être décuplée. Faites donc très attention. Je vois. D'autres questions? Tout le monde a fait non de la tête. Bon, Lucie, tu te sens d'attaque. Oui, même si je ne cautionne pas tout à fait le fait de tuer un être vivant, mais bon. Préparez-vous et ensuite rendez-vous à la grande porte. Vous partirez tous ensemble. Je vais profiter pour récupérer mon arme dans ma chambre. Donc on récupère son arme dans la chambre. Bon, j'ai rangé mon arme dans l'armoire. Lucie, Valkyrie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne m'attends? Ne m'attends-tu pas au point de rendez-vous? Si je dois te protéger, autant le faire dès maintenant. Oh! J'ai très vite attrapé mon arme avant de me retourner vers lui. C'est bon, on peut y aller.
Mais c'est un arc, quoi. Depuis quand tu ranges ton arc dans une armoire? Tu l'accroches sur un porte-manteau. Sois pas con non plus. Nous nous rendîmes en direction. Tu vois, une épée, tu peux la ranger dans une armoire. C'est plus classe. Donc, tu la mets plus sur une armoire en mode un peu katana, tu vois. Nous nous rendîmes en direction de la grande porte. Tout le monde était déjà là. Après un dernier rappel des ordres, Jamon fit ouvrir les portes qui se refermèrent sur nous aussitôt que nous fûmes passés. Je ne pus retenir un rictus d'inquiétude. Un rictus, mais putain, j'ai jamais entendu ça, moi. Si tu as le moindre doute, dis-le-moi. Non, ça ira. Tout le groupe avança en direction de la forêt. J'emboîtais le pas assez vite. Nous arrivâmes très vite dans la forêt. Enfin, dans une forêt, depuis notre dernier passage, elle avait radicalement changé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas, mais ça sent pas bon, mais pas bon du tout! Il y a comme une force dans l'air, une aura. C'est vrai que les elfes sont très en phase avec la nature. Ils m'ont tous regardé l'herbe. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Sérieusement, les humains, faut arrêter vos... Non mais je rêve. Sérieusement, les humains, faut arrêter vos clichés sur nous. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus aux arbres et qu'on ne s'habille plus avec les fleurs. Il a continué de marmonner dans sa barbe. N'importe quoi. C'est hyper bizarre. De quoi? Eh bien, quand je marche, les feuilles sous mes pieds crissent, mais toi, je m'entends. Je t'entends à peine te promener derrière moi. Tu flottes ou quoi? Peut-être tu aimerais pas forcément, mais ça te rend juste très flippant. Tant mieux. N'importe quoi. What? On sait pas où aller en fait. Dis, c'était ce type de la forêt dont tu étais effrayé? C'était ce type de forêt dont tu étais effrayé? Quand ça? Je ne sais pas, l'autre fois quand tu parlais, j'avais cru comprendre que tu avais été effrayé des forêts il y a longtemps. Ah, quand j'étais plus jeune, oui. Je pense que tous les enfants trouvent les forêts effrayantes. C'est vrai. Oh là 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 là! On est un peu paumé là quand même. Chemin illusoire. Ah oh, putain! On est paumé! Je me suis mise à trembler de manière presque imperceptible. J'ai senti la main de Valkyrie prendre la mienne. Ne t'en fais pas. Une fois que tout sera rétabli, cette forêt ne sera plus. Ne te semblera plus si effrayante. Merci, merci. Putain, hé, on va où? C'est un endroit rêvé pour un pique-nique. Tu trouves aussi, j'ai apporté une nappe et du pain. Tu as pris du miel, j'espère. Bien sûr. Attends, mais on est totalement paumé là! J'ai entendu quelqu'un chanter, promenons-nous dans les bois, ainsi que des faibles cris. Le son est très lointain. Ils ne changeront décidément jamais. Qui? Ezra et Lenevra, à chaque fois qu'ils sont ensemble pour une mission, ils font ce style de blague entre eux. Ah! Ah, j'ai peur! Mais non! J'en ai marre! Elle est où la sortie? Oh là 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 là! Chemin illusoire, selve. Mais tu sais, passer par là. Allée funeste, bah voilà. Fallait aller par là. Oh putain! Fallait juste aller par là en fait. Putain, j'ai bousillé tellement de points d'action. Mana, pardon. Tombeau de l'arbre tordu. Oh mon dieu! C'est glauque! On dirait une araignée. Ouh, une araignée, le truc. J'aurais pas dû dire ça. Nous arrivâmes enfin à proximité de l'arbre caché derrière des branches. Nous devions alors commencer à peaufiner les dernières mailles du plan. Tandis que Valkyon se faufilait parmi les arbres qui entouraient cette plaine, je devais pour ma part revenir vers la jeune femme en feignant d'avoir été une nouvelle fois envoûtée par ses sorts. J'étais, je dois l'avouer, toujours très tiraillée à l'idée de la laisser se faire tuer comme ça. Au fond de moi, une petite voix me criait qu'il y avait encore de l'espoir pour elle. Oh, on est mignonne, on va essayer de la... Putain, elle est tellement... Et il est glauque son arbre. Devais-je tenter de la raisonner ou de m'en tenir au plan initial? Courage, on est tous là si t'as besoin. Je m'avançais alors d'un pas décidé vers la madriade, pendant que Valkyon se faufilait à travers les arbres entourant cette petite clairière. Ah,
Ah, te revoilà, ma chère Lucie. Que fais-tu ici? Oh mon Dieu! Ah, fais flipper! Je ne me souviens pas trop, je suis partie précipitamment et je n'ai pas pu t'aider comme je le voulais. Alors je suis revenue. Alors, on fait quoi? On entame encore le... Oh putain, elle est tellement glauque. Attaquer, demander de l'aide. Non, on l'attaque pas. On a dit, on s'en tient au plan initial, faut là. Continuer d'entamer oisivement la conversation. Et puis, je voulais m'excuser pour ce qu'a fait mon ami la dernière fois. Cet ours mal léché? Oui, lui. Ce n'est pas grave, il est tellement insignifiant. C'est vrai, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inutile. Désolé, Valkyon. Mais pourquoi parler de lui? Est-ce que je peux voir la blessure qu'il t'a faite? Délicatement, je me suis approchée d'elle. Tu me prends pour une crétine? Sache, misérable, sans mêler, que je ne suis pas comme toi. Je suis de pure race. J'ai été choisie par lui. Il a su déceler mon intelligence, ma bonne foi. De quoi parle-t-elle? Qui l'a choisi? Nous ne faisons plus qu'un maintenant. Il est à moi seul. J'ai serré les poings et j'ai reculé en direction des autres. Tu crois que je ne sais pas que tes amis sont avec toi, tout autour de cette forêt, ni que l'un d'eux essaie d'atteindre mon arbre? D'un geste vif, Yoni lança une sorte de flèche en direction de Valkyon, qui dévia celle-ci avec son brassard. Encore toi. Il s'est avancé vers elle pour l'attaquer. S'interposer pour raisonner la Madriade, le laisser faire et s'occuper de l'arbre pour tuer la Madriade. Ah! S'interposer pour raisonner la Madriade. Ah, je ne sais pas quoi faire. Soit on s'interpose, mais il va se fâcher, quoi. Le laisser faire, ou soit on s'occupe de l'arbre aussi, et ne rien faire du tout. On va s'occuper de l'arbre. Tu prends enfin ton courage à deux mains. Je n'ai pas le choix, je ne peux plus te laisser commettre de telles atrocités. Je hais les menteuses en ton genre. Pendant que Valkyon a attaqué la jeune femme, je me dirigeais vers l'arbre, mais la Madriade avait prévu le coup et vint à ma hauteur pour me frapper assez fortement. J'atterrai alors quelques mètres plus loin dans les buissons. Lucie! Purée, quelle idée, plus jamais ça. Je devrais plutôt le laisser faire. La Madriade s'avance vers nous, je dois me défendre. Aïe, 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 j'étais pas prête avec ma souris, moi! J'étais pas prête du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ta-ta. Mais qu'est-ce qui se passe? Valkyon s'avança à nouveau vers la Madriade et la menaça de sa hache, lui donna un grand coup sur le flanc. Il a réussi à l'éloigner suffisamment de son arbre, puis jeta une potion qui enflamma l'arbre à une vitesse folle. La Madriade hurla tandis que les flammes commençaient à consumer rapidement le bois. Non, qu'est-ce que tu as fait? Oh mon Dieu, misérable vermine! Tu vas me le payer! De nombreuses hyènes s'avancèrent vers moi au moment où la Madriade était emportée par les flammes. Lucie! Quand je rouvris les yeux, je réalisais que Valkyon avait fait barrage de son corps et m'avait protégée. Autour de nous, le paysage avait radicalement changé et des braises virevoltaient dans l'air. C'était la première fois de ma vie que j'étais confrontée à la mort de si près. Je ne me sentais pas du tout bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi les ordres. Suivre les ordres, était-ce le bon choix? Par rapport à cette situation, oui. Mais si ça peut te réconforter, il n'aurait pu en être autrement. Pourquoi tu dis ça? Il est en train de fouiller les cendres. Regarde, il a tendu un morceau de cristal. Comment est-ce que ça a pu atterrir ici? Je suppose qu'elle avait ingéré. C'est pour ça qu'elle parlait alors quand elle disait qu'il l'avait choisi. Oui, c'est plus que sûr maintenant. Malcolm aussi, pourquoi avez-vous disparu? De quoi parles-tu? Nous étions ici. Non, vous étiez devant nous et puis tout d'un coup, vous avez disparu. Oui, vous êtes réapparu d'un coup il y a quelques instants. Sérieusement? Encore un maléfice de cette sorcière. Ça ne m'étonne même pas.
Et qu'est-ce que tu as dans les mains? Un éclat de cristal, je l'ai trouvé parmi les cendres de la Madriane. Rentrons en faire part à Miko, c'est préférable. Ok, mais je sens que ça va être très très long de récupérer tous les morceaux de cristal comme ça. À mon avis, on en a pour beaucoup d'épisodes. Là, on est déjà à l'épisode 9 quand même. Et à mon avis, on en a pour pas mal de temps. Nous avons quitté les lieux en direction du QG. Ah, ça y est, on retrouve notre petite bosquet rigide. Non, c'était pas ça. Passage des anciens. Voilà, chemin rocheux, parfait. Parfait! On va revenir avec... Eh, on aura assez de points d'action, c'est nickel. Mon balou va pouvoir manger pendant les vacances. Je suis tombée à terre. J'ai l'impression de suffoquer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je ne me sens pas très bien. Première fois que tu vois quelqu'un mourir devant toi? Eh, lâche là, tu veux mon aide? Tu veux qu'on t'aide à marcher? Non, ça ira, je vais juste reprendre mon souffle. Nous nous sommes arrêtés le temps que je reprenne mes esprits. Des images d'Ivonie sous les flammes revenaient dans ma tête, me donnant presque le tournis. Après quelques minutes, je me relevais et suivais le groupe jusqu'aux portes du quartier général. Je fus surprise d'être aussi acclamée par les rares personnes qui nous accostèrent. Ils semblèrent tous ravis que la créature ne soit plus. Pour ma part, je gardais un coude amer en travers de la gorge. Parler à Valkyon. Les gens sont souvent ravis comme ça quand on revient d'une mission de ce genre. Ils se sentent à nouveau en sécurité, c'est pour ça. Nous nous détachâmes de la foule sans trop de difficulté. Notre but, parler à Miko. On va dans la salle du cristal pour bousiller nos derniers points d'action. Allons-y. Nos derniers manas, pardon. Ce sont des manas. Dans la salle du cristal. Et est-ce que du coup le cristal il va grossir petit à petit? Parce que là en plus on récupère des fragments. Tu vois, c'est des. C'est de tout petit truc quoi. À mon avis, à la fin on arrivera, on aura tout rempli, je pense. Mais bon, là, deux cristaux, ça fait pas. À mon avis, on en a pour masse de temps. Voilà. Ah, vous êtes revenu, Leftan. On reprendra notre conversation plus tard, d'accord? Il a acquiescé sans un mot de plus. J'imagine que la mission a été accomplie. Nous avons entendu des acclamations. Tu tires une de ses têtes, Lucie. Il y a eu un problème, racontez-moi tout. Je racontai le déroulement de la mission à Miko durant un moment. Elle arqua plusieurs fois les sourcils en entendant certains de nos actes. Je concevais qu'elle n'approuvait sûrement pas toutes nos décisions, mais je ne regrettais aucun de mes choix. Icare, présente à nos côtés, notait la moindre information, nous forçant parfois à répéter nos propos. Je vois, eh bien bravo, belle réussite à tous, faites voir le cristal. Je me demande encore comment peut-on être fou au point d'ingérer volontairement un morceau de cristal. Je devrais pourtant être habitué à force. C'est arrivé souvent? Trop souvent depuis qu'il a été brisé. Cela me rappelle l'un des livres de la bibliothèque, l'essai scientifique de la PNL sur la folie. Celui établissant une corrélation entre l'essence du mana et l'équilibre de l'esprit. Exact. Je ne comprends pas de quoi parlait cet essai. En termes simples, un scientifique de notre monde a établi que le flux de mana régissant, pardon, celui-ci avait un équilibre parfait dans le sang de chaque être. À la moindre faille dans cet équilibre, l'esprit de la personne pouvait être corrompu. Ah ouais, c'est logique. Cette amadriade prouve bien qu'il y a un lien. Ce morceau que tu vois, c'est l'une des cristallisations parfaites du mana. L'avoir en soi, en si grande quantité, n'est pas normal. L'esprit, qu'il soit d'un féerie ou d'un faélien, n'est pas capable de contenir une telle puissance. C'est comme remplir un ballon d'air quand il y en a trop, il explose. C'est ça. Enfin, le principal, c'est que nous ayons retrouvé un morceau de cristal. Trois depuis que tu es arrivé, c'est presque incroyable. Dont deux sans avoir à éliminer qui que ce soit. Ça nous arrive souvent d'éliminer des personnes. Les cas d'ingestion de morceaux de cristal sont de plus en plus courants. C'est d'ailleurs notre principale source pour les retrouver. Je vois. Ce n'est pas la première fois qu'ils commettent des meurtres alors. Je sais tout ce qu'il me fallait savoir. Je vais décanter tout ça. Encore bravo pour la mission. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Elle nous a tourné le dos et s'est dirigée vers une petite table où quelques documents étaient posés. On va boire un coup, histoire de décompresser. Accepter.
Pas de soucis, mais j'aimerais bien aller me changer par contre. On t'attend à la cuisine. Ok. Lead the way. On va se changer vite fait. En arrivant dans ma chambre, je me posais sur mon lit et attrapais l'un des coussins pour me lever sur un côté. Je repensais à toute cette journée et à ce sang sur mes mains. Pas un seul instant passé ici, je n'avais imaginé qu'un jour je me retrouverais confrontée à l'idée de devoir prendre la vie de quelqu'un ou de quelque chose. Entre ces créatures adorables qui nommaient familiers, les races féeriques que j'avais rencontrées ou encore les paysages pardon, sublimes que j'avais visités, Eldaria m'avait paru si idyllique. Maintenant, je réalisais que je m'étais voilé la face. J'avais tout pris à la légère. La réalité me frappait de plein fouet. Après avoir ressassé des pensées négatives, je me changeais dans des habits un peu plus frais, dirons-nous, et je me dirigeais vers la porte d'entrée. Mais avant que je sois sortie, quelqu'un frappa à la porte. Oui? Ok, d'accord. On finit l'épisode sur ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, donc bon, bah c'était un épisode bien cool, hein. Franchement, Eldaria est vraiment un super jeu parce que c'est pas trop romance, tu vois. Il y a de l'action, on apprend des trucs, tu vois. C'est pas que romance et c'est cool. Parce que c'est vrai qu'à mon sujet, c'est un peu trop romance à mon goût. Mais bon, c'est normal, hein. On va pas se cacher. Mais donc, ouais, c'est vachement cool, Eldaria, j'aime beaucoup. Et là, on a appris vraiment pas mal de choses. Là, c'était vraiment de très beaux épisodes en ce moment. On peut pas faire de. On peut pas faire de quête. On t'envoie. Là. Très bien. Et donc, c'est un très bon truc. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire l'épisode 10. Parce qu'en plus, là, je pars en vacances. Donc, je sais pas si j'aurai internet pour me connecter, pour avoir mes manas, tout ça, le bazar. Là, ça va être un peu compliqué. Donc, pendant 2 semaines, pas sûr d'avoir du mana. Sinon, après, je dirais l'épisode 10, un peu après la rentrée scolaire, je pense, septembre, ouais, à peu près. Un bon mois et demi, sachant que Balou me bouffe des manas, et pas qu'un peu. Parce que monsieur bouffe pas mal. Là, vous voyez, je viens d'en racheter il y a pas longtemps. Là, je vais devoir lui donner pour les 2 semaines de vacances. On va faire ça tout de suite. Comme ça, je suis sûre qu'il a de la bouffe. Donc, il en a 9. Vous voyez, ça coûte 18 quand même. C'est pas rien. Et on va. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va lui en prendre 10. 180. Hop. Comme ça en fait un peu plus. Au cas où j'ai pas le temps d'y aller. Voilà. Ah non, ça lui a pas fait un peu plus en fait. Parce que de toute façon, il peut pas avoir au-dessus de 15, donc c'est un peu dégueulasse. Ouais, bah 15 tout pile alors. Faudra que je lui en donne juste avant de partir. Et ça sera nickel. Donc voilà, vous voyez, ça va être un peu, petit peu long. Là, j'ai que 77. Pour avoir 2000, il va falloir un masse de temps. Attendez, que je calcule un peu. Parce que là, si j'y vais, on va dire entre guillemets tous les jours. Donc on a 50 PA fois 30 jours. Là déjà en un mois, j'en aurai 1500. À peu près si je me connecte. Donc ça sera pas assez. Il m'en faut 2500. Combien ça coûte? Attendez, on va calculer. Ça sera pas à l'exactitude, hein, mais. Combien ça coûte? Ah oui, non. Ah oh, ouais, mais il me calcule. Attends. Du coup, ça, on compte pas les mini-jeux hein, dans un mois. Et donc, on compte que moins, entre parenthèses, 18 fois 30. Ouais, un par jour. Ça fait que 960 pour un mois, tu vois. Il me bouffe la moitié facilement de mes points d'action. Enfin, de mes manas. Du coup. Ok, et si je fais 3000 du coup, donc pour 2 mois, moins entre parenthèses 18 fois 60, ça nous fait 1920. Donc dans 2 mois, j'aurais peut-être même pas assez. Bon, après, j'ai pas compté les mini-jeux, hein, mais. Vous voyez, un bon mois et demi, donc.
Un bon mois et demi, ouais. Ouais, fin août, début septembre, quoi. Donc à peu près à la rentrée. Je pourrais les acheter avec des pièces d'or aussi, mais j'ai pas trop envie. Oh, des onigris, des trop kawaii! Putain, et 24, ils se font vraiment pas chier. Attends, j'ai un familier aussi qui bouffe de ça. Heureusement que je l'ai pas pris parce que j'ai pas de mana. Voilà. Donc bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'empiète un peu sur la vidéo, je suis désolée. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était vraiment, vraiment, vraiment super, super cool. On se rapproche petit à petit de tous les nouveaux épisodes, tu vois. Parce que avant on avait beaucoup de retard. Là, c'est vrai qu'on rattrape. On n'a plus qu'un épisode de retard. J'ai bon espoir qu'on rattrape bien. Là déjà, j'ai pu en faire deux pour l'été. Donc c'est vraiment bien. Et on rattrape petit à petit les nouveaux épisodes. Donc qui sait, peut-être qu'après, je serai au même rythme, hein, je ne sais pas. On verra bien. Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour donner votre avis sur l'épisode, sur la vidéo, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, hein, même pour parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. C'est toujours cool. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde, c'est tout le monde et bye bye!